J'avais pas vu qu'on avait dépassé l'heure. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes petites mitochondries. Bonsoir, Overlord. Bonsoir, La Plonge. Bonsoir, Exia. Bonsoir, Balrog. Bonsoir, Yami. Béniquez vos mères. Niquez vos darons. Je passe cette étude. Oh. Je suis à l'aise financièrement. Merci beaucoup, Exia. Alors. Non. Je te laisse choisir. Quel deck de cartes veux-tu ouvrir? N'hésite pas. Et qu'est-ce que vous avez, tiens, La Plongée Yami à aller sur Ring Fit? Vous venez de l'acheter, c'est ça? 3. 3. 3. Ici. Oh. Bonsoir, l'Austro-Hongrois. Non, l'Austro-Croate. Comment vas-tu? Je t'ai vu sur le chat de... T'es pas sur le chat de... De Lucie? Coucou à toi. Sinon, tu as gagné... Attends. Sinon, Exia, tu as gagné des crêpes faites avec l'amour et délicatesse. Félicitations à toi. Félicitations pour ces crêpes faites avec amour et délicatesse. Acheté il y a un mois pour Yami, je l'essaye un peu. Ah. En vrai, il faudrait tellement que je m'y remette aussi à Ring Fit. En vrai, il faut... Eh, La Plonge, Yami, venez, on se fait un défi Ring Fit. On se poste les photos de nos séances Ring Fit sur le chat, sur le Discord. Ça vous dit? Allez, je ferai ça demain. Demain, comme ça, je me mettrai sur le Ring Fit. Oh oui, des crêpes, je les reçois quand? Quand je les aurais pas mangés. Et oui, c'est moi-même chez Lucie. Oui, mais je sais pas si je t'ai... Mais parce que je crus t'avoir vu passer là sur le chat. C'est de Lucie tout à l'heure, voilà. Et ben, bienvenue à toi, c'est la première fois je crois que tu viens ici. Donc l'Austro-Croate, je vais t'appeler Austro. Austro, nous allons regarder un film. C'est un nanar. C'est un gros nanar. Parce qu'il y a des gros dinosaures. Donc n'hésite pas si tu veux rester pour regarder un nanar. Ou écouter les divagations politiques de Lucie. Ou les deux. Tu peux activer les deux sons en même temps et voilà. On aime les nanars. Alors, premier degré ici, on aime réellement les nanars. Voilà. Si t'as Ring Fit, mais oui, j'ai Ring Fit, La Plonge. J'ai Ring Fit. Sauf que je n'ai absolument jamais la motivation de faire du Ring Fit. Parce que moi et le sport. Moi et le sport. Coucou Vi, comment vas-tu? Comment vas-tu, Vi? Donc. En vrai, on va lancer le film. Ring Fit en live. Ouais. En vrai, ouais, il faudrait. Peut-être. Ça pourrait me motiver de faire du Ring Fit en live. En vrai, ça pourrait me motiver à faire du Ring Fit en live. Voilà. Peut-être. Peut-être. Ça me motiverait peut-être à en faire du Ring Fit en live. Écoutez. Un jour. Peut-être. Ben, ça va. Ça va, ça va. Récompense de points de chaîne pour te faire du sport, c'est pas mal. Ouais, mais alors il me faut vraiment la motivation pour le faire, parce que réellement, là je serais quand même clairement capable de vous dire « Oh non, flemme. Oh non, pas ce soir. Pas ce soir, chérie, j'ai mal au crâne. » voilà, je serais typiquement le genre de nana à vous dire « Pas ce soir, chérie, j'ai mal au crâne. » Donc, voilà. Bon. Alors. Nous allons lancer le film. Je vais enlever tous les widgets. Pop, il n'y a plus de widgets. Le film de ce soir, c'est Raptor Ranch. Sorti à la fois en 2012, en 2013 et en 2014. Me demandez pas pourquoi est-ce que ce film a 3 dates de sortie. J'en ai foutrement aucune idée. Pour ce film, j'ai réellement trouvé 3 dates de sortie différentes. Pour le même film. Je ne comprends pas comment. Je pense que 2012 aux États-Unis, il y a peut-être eu une ressortie en 2013. Parce qu'en fait, le film est sorti le 31 décembre 2012. Voilà. C'est peut-être pour ça. Et ressorti en 2014 chez nous. Voilà. Il y a une connerie comme... Il doit y avoir à tous les coups une connerie comme ça.
Donc du coup, et ben on va regarder Raptor Ranch. C'est un nanar avec des gros dinosaures. Je n'ai aucun, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Si ça vous a plu, on essaiera à la fin du stream de voter pour le prochain nanar entre trois nanars. Voilà. Et bien entendu, les gens, qui dit nanar dit sondage. Non, dit prédiction. Et qui dit prédiction dit nichon hors notre nichon. Vous connaissez la célèbre phrase nichon hors notre nichon. Et vous avez 20 minutes pour voter. Donc voilà. Vous pouvez voter et dépenser des petits points de chaîne mitochondrie. C'est vrai que je n'ai pas mis de troisième. Ah, attendez. Est-ce que je peux l'annuler? Non, attendez. Attendez. Comment je peux l'annuler? Est-ce que je peux l'annuler? Supprimer. Supprimer et rendre les points. Voilà. Attendez, on va mettre une troisième proposition. Comme ça, si vous voulez juste faire un don de points, vous pouvez. Le don. Le don de points. Voilà. Du coup, comme ça, si vous voulez donner juste des points, vous pouvez. Voilà. Donc, du coup, le grand jeu de ce soir, nichon hors note nichon, y aura-t-il des nichons dans ce film? Votez, dépensez vos points, faites comme vous voulez. Voilà. Et du coup, les gens, je vous laisse avec le film. N'hésitez pas à me faire signe si le film est passé, le son du film est trop faible. Let's go pour. Il l'a mérité. Il l'a mérité, la plongeuse. Je vous laisse avec le film Raptor Ranch. Let's go. Et coucou, tac, tac. Pour une fois, il s'est pas trompé de personne à Théo. Mon nom est Abby Whitecloud. Bonjour, Je viens de Abby. fêter mes 22 ans et j'habite dans un village perdu, à Fossil Ridge, au Texas. La seule station d'essence dans l'avenue principale est à 160 km de la Non, grande tac, ville tac. Abilene. Tac, je regarde pas ce genre d'émission, donc non. La ville dont je tiens mon nom. Et c'est là où je compte aller dès que je pourrai. Je veux C'est une juste belle partir forêt. d'ici et devenir une chanteuse connue. Le genre de chanteuse qui deviennent tellement connues qu'elles oublient d'où elles viennent. Je suis une descendante directe du chef Cochise. Ah, Chez mais moi, si. c'est ce que disait ma mère, qui On vient s'en bat les couilles en fait. amérindienne. Elle disait que j'avais hérité de son obstination, peut-être même de son habileté à chasser à l'arc Tao. 6 mois plus tôt, ma mère Ouh, il a l'air m'a d'être poussée dans moche. la forêt. Elle priait pour qu'on ait une vie meilleure. Qu'il est pas beau. Le créateur ne nous a pas aidés ce jour-là. 1 minute! 1 minute 17! M'explique pas. Alors oui, déjà, exposition sur 20. Et ensuite, 1 minute 17, et on a déjà vu un raptor et un T-Rex, et ils sont tous les deux moches. Je sens que ce film promet. a appelé, il veut qu'on lui rende sa 3D. Ouais, non, mais là, c'est pas que 2002 qui veut qu'on lui rende ses problèmes. Je suis désolé. Dans Dino Crisis, les dinosaures étaient mieux faits. Hein. Ok. Ok. Lorenzo Lamas! Nuit imagination. Oui, nuit imagination. The Dinosaur Experiment! Pourtant, ici, il y a marqué Raptor Ranch. Ah merde, le film a pas le même nom. Ouais, je pense qu'on va avoir des nichons. Hein. C'est pas le bon film. Non, je pense que juste arrivé en France, il a changé de nom. Putain, mais non! Il est sorti. En fait, il est sorti en 2012 sous le nom de Dinosaur Expérimentation. Et ensuite, il a dû être ressorti en 2013 sous le nom de Raptor Ranch. Et ensuite, il est sorti en 2014 en France. À tous les coups, c'est une merde comme ça. N'oubliez pas que ce sont des petits nanars et il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut faire des ressorties. La version québécoise.
Ah, ou c'est peut-être la version québécoise. Ou si c'est de la version québécoise. Si c'est une version québécoise, ça peut être très drôle. Décide louche en ligne. Oh, le pur texan! Alors là, ça, c'est typiquement américain, vraiment. Pur texan de ouf! Le pyjama rouge, les bottes, le perfecto, la petite belote de paille, la plus... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a de... Il a l'air d'être magnifique, ce texan. Si la version québécoise, il s'appellera pas Experimentation sur des... Expérimentation sur les dinosaures. Je ne sais pas. Peut-être. Coucou Echo, oui, ça fait super longtemps. Coucou, comment vas-tu? As-tu trouvé une petite place pour les stickers? J'espère que tu vas bien en tout cas. J'espère que Beth n'est pas en colère contre moi. Je sais qu'elle va être en colère contre moi. Vous entendez bien le son? Je vais te donner à manger. Oh, j'espère juste que Beth ne sera pas trop en colère contre moi. On va monter un peu. Oh, pas de poignet, j'ai la grippe. Ah putain, le tas. Parce qu'il faut arrêter de me demander quand je vais. Oh non! Ah, il gardait des raptors chez lui. Et voilà, Beth. J'ai de la bonne chance pour toi, Beth. Oh, Beth, tu n'as pas ça. Tu connais, n'est-ce pas? Je suis comme ton papa, Beth. Quand D'accord. j'étais petite, je te prenais dans mes bras. Et parfois tu venais et tu rentrais en folie. Et... C'est quoi le programme? Alors le programme c'est Raptor Ranch. C'est un nanar avec des dinosaures. Voilà. Et du coup là on a un Texan qui gardait des dinosaures chez lui. Comment il a fait pour avoir des dinosaures? Et Beth, tu te souviens quand Madame Kane était en colère contre moi, elle me criait dessus et jetait des affaires sur moi. Oh, elle est partie trop vite. Putain, mais c'est pas Tu électrique. t'en souviens? Je prendrai toujours soin de toi parce que je t'aime, Beth. Mais... Effet spécial. Ah oui, non, mais la barre électrique, la barre des fers, la barre à tout faire, elle était merveilleuse, la barre électrique, hein. Ah! Le shérif de Tête Dallas, des nichons! Texas, continue à enquêter sur la mort de la femme Non amérindienne mais. qui a eu lieu juste à côté. Je suis désolé, alors. Je vais rien dire pour les draps. Je vais rien dire pour le cadre de lit. Mais! Je refuse de dormir dans une pièce où j'ai sur ma tête de lit des peaux d'animaux. Je refuse catégoriquement. Je refuse. Et oui, pensez, nous avons la prédiction. Nichon en notre nichon. Village de Fossil Ridge. On va continuer à partager avec vous toutes les informations dès qu'elles seront révélées. Vous Ça réchauffe en hiver. Mais tu réchauffes la tête de lit là! Ah ouais, non mais. Oh, l'américaine! Elle avait une tête de cerf au-dessus de son lit. Ok. Oh, et ton uniforme est dans un colis devant la porte. Habille-toi convenablement. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle va être en soubrette. Allez, allez les gens. On essaye de deviner en quoi elle est. Je pense qu'elle est elle va être habillée en serveuse hooter. Je pense qu'elle va être habillée en serveuse hooter. Allez, bikini. On a un bikini. Moi, je pense serveuse hooter.
Elle doit travailler dans un bist pas dans un bistrot, dans un. Dans un routier. Et oui, c'était clairement. Regardez, elle a un joli cul. Hein. Les talons sont cool. Dinner, merci, dinner. Ça commence bien. Par contre, on est d'accord qu'elle dépasse à peine du volant. Est-ce qu'elle arrive à voir la route? Elle dépasse à peine du volant, non? Mais dans ce cours d'aujourd'hui, elle fait 1m30. J'ai beaucoup trop de questions. Attends, quoi? Quoi? Mais tu fous quoi avec tes équipements de ski, enculé? Il fout quoi? Aujourd'hui, on va se poser une question très importante. Une question très importante. Qu'est-ce qu'il fout avec ses équipements de ski, l'autre con? La question est, à quel moment l'homme s'est mis debout? Hier soir, chérie. Monsieur Yang? Oui, monsieur? Vous savez qu'il y a un autre cours qui vous conviendrait, et ça se passe au bâtiment Anderson. La littérature. Alors, on ne va plus se demander quand, puisque Monsieur Yang a déjà répondu à cette question pour nous. Alors, on va se poser la question du pourquoi. Hé, Sheldon. Sheldon. Ça devait être étrange. C'est que tu m'entends, Sheldon. De voir un homme debout pour la première fois, debout sur ses deux jambes. Si tu le dis. Sheldon. Quoi? Je les ai. Ça ne m'intéresse pas. On ne va pas y aller. Taos, on va aller faire du ski. Pas cette année. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Sheldon. Alors, la question est, pourquoi l'homme s'est-il mis debout? Non, j'ai pas de blague qui vienne à l'esprit. J'allais dire pour baiser ta daronne, mais bon. Pff, non. Pff, bon. Pff. La discrétion pas discrétion. Oui. Pour aller chercher des fruits. Non, mais alors ça, c'est une réponse scientifique, Exia. C'est une réponse scientifique. On cherche une réponse drôle. C'est simple. Pour la survie. Tu sais, la grappe parfum, un simple titre fait toute la blague. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Titre. Quel bon fils t'es le cul de ta daronne. Toujours rigolo. Non. Non. On va pas le compter. Non, on compte pas. Je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'on peut trouver mieux qu'un bikini. Je pense qu'il y a mieux comme bikini. Non, c'est bikini. Ouais, bikini. Non, mais... Oh, le cul bien moulé en plus, là, dans un petit short. Besoin d'aide. Ouais, je dois aller chez Billy Wayne. Billy Wayne? Merci. Attendez, c'est le vieux qui a des raptors? On aurait dû acheter une voiture d'occasion certifiée. Avec une garantie d'inspection à plusieurs points. Je crois que je vais vendre la maison. Comme ça, je pourrai enfin quitter ce village perdu. Tu sais, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta maman. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Ah d'accord, elle le connaît déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Bah oui, il faut bien le nourrir! Ah, une personne fortement agréable! Tu vas te recaler, tu dois le laisser tranquille. Tu fais comme si j'avais besoin de ça, mec. Je vais faire comme a fait mon père. La vente pyramidale, des partenaires limités, du crime au col blanc, c'est la seule manière. Je vais pas aller en cours pour ces bêtes. De la vente pyramidale et des crimes. C'est ça ta... Ouh, il a l'air d'être con, lui. C'est vrai, ta mère est morte bouffée par... par un raptor, mais oui. Sérieusement. Ah, voilà pourquoi tu dois aller en cours. Ce sont 7 millions d'années d'évolution qui m'appellent. Et me disent, Lucas, reproduis-toi avec la race humaine. Mais quel bof.
Qu'est-ce que tu fais avec le break de... Le nom du film, oui, je l'ai vu sur Prime. Mais moi, je l'ai trouvé sous le nom Dinosaur Ranch. Attendez. Parce que je l'ai vu sous le nom Raptor Ranch. Raptor Ranch. Raptor Ranch ou Dinosaur Experiment, qui est sur, effectivement, Prime Video. Mais en vrai, Raptor Ranch, j'ai même une affiche du film qui s'appelle réellement Raptor Ranch. Donc, je sais pas pourquoi ce film, il a plusieurs noms. Et coucou, Spaz. Je sais pas pourquoi ce film a plusieurs noms. Ma mère, mec. Des détails. J'ai une surprise pour toi. Viens voir à l'arrière. Non, on ne devrait pas prendre le break pour voyager. On ne va pas le faire, mec. T'es fou. Oh, le break, il est tellement chargé. Oh non, c'est la bête. Salut, Sheldon. Salut, Lucas. Quel animal. On l'aime quand même, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Imagine ça. Ce soir, toi et moi... Qu'est-ce que je viens de voir, là? Oh, ça me dégoûte. Coucou. Plusieurs noms, plusieurs jaquettes, plusieurs ventes. Mais oui. Mais oui, je pense que c'est exactement ça. À la station. Je sais pas, mais j'ai mal. Quatre filles. On parie combien que ce mec qui s'appelle La Bête est un métalleux punk? J'ai eu les cuisses ouvertes dans un com, j'ai paniqué. On parie combien que ce mec est un genre de métalleux, ça va être le cliché du métalleux un peu débile, qui doit à tous les coups vendre de la drogue à quelqu'un en plus. 8 nichons. Et je vais les mettre sur ton visage, mec. Les filles feront sur ton visage. Pourquoi? Parce que je suis l'omnichon. Attends, quoi? Tu es quoi? L'omnichon? On l'aime quand même, n'est-ce pas? Très bien, imagine ça. Ce soir, toi et moi, à la station de ski du Taos. 4 filles, 8 nichons. Et je vais les mettre sur ton visage, mec. Les filles feront sur ton visage. Pourquoi? Parce que je suis l'omnichon. Et l'omnichon ne déçoit jamais. L'omnichon! Parce que ton chariot t'attend. Donc cette personne s'appelle l'omnichon. C'est rigolo, moi. À tout moment, ça devenait un porno. Et coucou, Deus Ex. Les filles font. C'est vrai que le. Attendez, on se la remet. Parce qu'il est merveilleux, le. 4 filles, 8 nichons. Et je vais les mettre sur ton visage, mec. Les filles feront sur ton visage. C'est vrai que nous, les femmes, nous adorons faire sur le visage des hommes. Ou des autres filles. En vrai, c'est beaucoup plus rigolo de faire ça sur les autres filles. Bon, sortez pas du contexte ce que je viens de dire, s'il vous plaît, merci. Hein, on continue. Pourquoi? Parce que je suis l'omnichon, et l'omnichon ne déçoit jamais. Tu es prêt? Parce que ton chat... 2 secondes, j'appelle ma copine pour check. Pourquoi tu me détestes? Si elle... On va au Taos. Qui peut faire... Je ne sais pas. Bon, sans doute beaucoup de monde. Ah, ma vilaine. Les plus belles fesses que j'ai jamais vues. Ah, vilaine. Petit, ouais. Écoute, on a besoin de ton ingrédient secret maintenant. De l'opossum. Non, et tu des écureuils. Oh putain, j'avais peur. On a besoin de ton ingrédient secret. Ah, par contre, jamais je bouffe là-dedans, hein. Vu la gueule des deux mecs et vu comment ils sont sales, jamais je bouffe là-dedans, hein. Ah, je préfère bouffer de l'herbe que de bouffer là-dedans, hein. J'ai trouvé la solution. Ah. Ouais, je suis en couple, laissez tomber. C'est vrai que c'est une bonne solution. Et je dois avoir des écureuils, mon fils, ouais. Je dois avoir des écureuils. Gros c'est écureuil. Ça, mon gars. Belle maintenant, écureuil. Tu vas me chercher des écureuils. Allez, vas-y, mon gars. Oh, mon Dieu. Il voulait faire... Non, mais c'est ça, c'est... Oh, le bodo. Ah, cette beaufitude! Ça faisait pas partie de notre arrangement. Billy. Pardon? Est-ce que t'as dit quelque chose? Je porterai plus jamais ce déguisement. Et j'aurai plus jamais un bon jeu d'acteur aussi. Mais ça, c'est mon doublage VF. Elle est pas si belle objectivement. Moi, ça va. Ceinture pour une culotte. Le côté sexe. Le sexy. Je vais me ramener dans mon quota, ça va être ma nouvelle phrase d'accroche. Mais oui, c'est vraiment la meilleure phrase d'accroche que tu veux sortir à quelqu'un, genre, chérie, oui.
pas mon style. Après, oui, c'est peut-être pas ton style. Si je me souviens bien, je crois que ta mère m'avait acheté le fourgon. Maintenant, je suis désolé qu'elle soit morte. Mais tu as encore des paiements à rembourser. Alors, tant que tu tiens cette belle voiture entre tes jolies petites mains... Sauf qu'elle est morte, la bagnole. Tu mettras ce que je te demande. Maintenant, va servir la table numéro 4. Vas-y. Pardon. Hé, hey, Abby, tu sais, tu devrais sortir avec ce fou de médecin. Je pense que toi et lui n'allez jamais fredonner une mélodie, un garce. Oh! Je sais que vous avez de la chance, beaucoup de chance de venir vous distraire ce soir avec Little Willy et Louillette. Allons-y, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Pardon. Pardon. Zemmour. Oh oui. Effectivement, il a un peu une vibe Zemmour. Ah non, mais attends. Le Texas. Oh. Oh, il est merveilleux celui-là. Ouf. Oh. Alors, en vrai, ce qui m'a vraiment fait rire, je vais vous expliquer vraiment ce qui m'a fait rire. C'est réellement le mec, qui, le gros noir qui chante en mode avec sa voix un peu fluette. Et ensuite, vraiment, eux trois. Et lui qui chante, lui qui finit de boire sa merde, je sais pas ce que c'est. Et vraiment, le clic du fusil. Et c'est vraiment le clic en mode casse-toi de chez nous. Et j'ai vraiment eu le N-word en tête. En mode casse-toi de chez nous, N-word. Clic. Oh mon dieu, je suis désolé. Oh. Oh mon dieu. Pfff. Oh, il est merveilleux ce screen. Parce que j'ai pas vu le clic. Ah, attends. Regarde. Écoute bien. Le clic, tu l'entends, mais je crois qu'il y a un petit mouvement. Regarde bien. Clic. Est-ce que tu l'as vu? Oh! Mais je sais, il est merveilleux, lui! Oh! Ah! Ouh! Je vais appeler la NAASPCA! Et la NRA alors? Ah, on va mourir! On était juste prêt à partir! Allez, viens! Ah, c'est un plaisir de vous rencontrer. Elle va écrire, elle va écrire, elle va appeler, elle va envoyer un mail. Allez. Salut. C'est moi qui suis retardé. Alors oui, déjà, il y a déjà les. Oula. Alors déjà les blancs ont l'air d'être un peu cons. Et ensuite les trois là ont l'air d'être très très cons. Bah le Texas. Ouais. Ils sont tous attardés. Oui. Je pense que c'est ça. C'est pas toi l'homme méchant, c'est moi l'homme méchant. J'ai le détente. Lucas, où est-ce qu'on va, mec? Ah, oh, frangin, détends-toi. On est qu'à 12 minutes. On est qu'à 12 minutes. Ouais, avec la tasse, oui, oui. On est qu'à 12 minutes. C'est une tasse nichon. C'est pas toi l'homme méchant, c'est moi l'homme méchant. J'ai le détente. Lucas, où... Et il boit par le téton.
Et il boit par le téton. Pendant 40 minutes, il a chanté « Je suis l'homme nichon ». Oui, je... Quoi ? Je crois que ça lui fait monter ma fièvre. Mais attendez, mais je suis en train de boire quoi, moi ? Fanta saveur mangue. Hein ? C'est alcoolisé ? Non ? Mais c'est même pas alcoolisé, en plus, mon Fanta. Où est-ce qu'on va, mec ? Ah, oh, frangin, détends-toi. Je suis Goose. Je suis Maverick. C'est moi, le boss, mon gars. Je suis au volant. Oh, la pète, allez, mec ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Peu importe ce que je fais. Je peux vivre... La bagnole est dégueulasse. La bagnole est dégueulasse. Une heure trente de cringe bof là. Non, j'espère pas. J'espère pas. Jusqu'à 200 ans et je serai jamais dans le besoin. De quoi tu parles ? Alors, moment, promis, dans ce film de dinosaures, à un moment, il va y avoir des dinosaures, il va y avoir des meurtres. Je l'espère en tout cas. Sois pas bête, mon truc. Vraiment ? Mais de quoi est-ce que tu parles, mec ? Le liquide d'amour ? Le liquide d'amour ? De sperme. La pâte à bébé. La pâte à bébé, mec, elle est bonne, celle-là. Alors on peut dire que ton ambition dans la vie est toujours avoir du sperme. Des raptors à un nichon ? C'est peut-être des raptors et des nichons. Oh, imaginez des raptors avec des nichons. Ouh. Un jour, je marchais, et un mec qui s'est accroupi devant nous, et j'avais aussi belle lune. Ok. Oh là là. Immeuble du FBI. Ok. Marcus, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Lorenzo Lamas. Non, je l'ai pas vu. Bon, ben, j'ai pas encore regardé mes mails. Je vais regarder tout de suite. Ok, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un meurtre dans le petit village de Fossil Ridge au Texas. Il y a quelque chose d'étrange. Comment ça ? Ils ont trouvé la dépouille qui a été tuée par un animal, un grand animal. Ils n'arrivent pas à définir quel type. Qu'est-ce que c'est ? Un genre de chou. C'est un argonien, quoi. Quoi ? Non, je veux rien vous dire. Chaque fois qu'un de ces ploucs est tué par un chien enragé... Pour le 1er avril, il y a une surprise. Ils disent que c'est des extraterrestres ou des bêtises et ils nous appellent. Bon, s'ils nous avaient pas appelés, t'aurais pas de boulot, mon gars. Je crois que ma fièvre augmente. Je n'attends pas à ce que j'y crois. Ce que tu crois ne m'intéresse pas du tout, Aurélie. Tu sais pourquoi je suis là ? C'est juste une punition parce que... Putain, vous connaissez tous la femme de chambre argonienne ? Bande de coquins, là. Ma version de la Sibérie. Bah, si tu penses que cet endroit est isolé, range tes affaires, parce qu'on va dans la Combrousse. Et on va conduire. Conduire ? Le village le plus proche est à 300 km de l'aéroport. Super, super. Shalom, Chaverim. On y va. Bah, shalom. Je kiffe cette publicité. Et je t'adore aussi, Josie chérie. Tu aimes n'importe quoi. Oh, embrasse mes fesses. On dirait que tu fais ton shopping au Gotka avec ce que tu portes. Alors, en même temps, c'est une goth, c'est normal. Shalom qui l'a sorti. Oui, il a vraiment sorti Shalom. Hein. Attendez. Mais c'est une affiche de film porno, ça. Attendez, c'est une affiche de... Vous allez pas me la jouer avec moi, celle-là, c'est une affiche de film porno, ça. Oh, Willy ? Si en route, tu vois un magasin pour garce, arrête-toi, s'il te plaît, pour qu'on dépose Josie. Elle a besoin de nouveaux vêtements. Tu ferais mieux d'arrêter d'embêter Josie. Je t'aime, Julie. Tu ferais mieux d'arrêter de parler d'elle. Tout de suite. Tu sais, je pense que tu devrais changer ta tenue. Le noir ne met pas en valeur ta couleur de peau. Mais elle est très bien, cette tenue à la goutte. Tu t'y connais ? Je crois que oui. Je crois que c'est un film porno. Je pense. C'est l'affiche du groupe de musique à l'époque. Non, je pense pas qu'il soit assez intelligent pour avoir fait ça. Quoique, peut-être. En fait, j'aime bien ma couleur de peau. Et ce que je mets est beaucoup mieux que la petite jupe de garce que tu portes. C'est pas une jupe de garce et ça me va bien. Hé, hey, on va aller, chérie. Et on va se loger sur la plage et on va bronzer. Ça va être amusant. Lucas ? Ouais ? Tu savais qu'on avait presque plus d'essence ? Non. Pourquoi t'as pas fait le plein, Lucas ? Tu avais 24 dollars l'année dernière, t'as combien cette année ? Je vais pas te mentir, mec, j'ai pas d'argent. Attends, comment ça t'avais 24 dollars l'année dernière ? Mais tu pars pas en vacances au ski avec 24 dollars ? Bon, tu peux faire le plein d'un véhicule avec 24 dollars, mais tu pars pas au ski ? Mais ils sont cons ! Non, je dois tout payer.
exactement. Tu es un abruti. Tu m'aimes comment? Tu sais ce que je vais faire, ma fille? Quoi? Je vais m'arrêter à la prochaine station et je vais lui trouver un grand sac de Twinkies. Ah, c'est ça que je kiffe les Twinkies. Tu sais de quoi il parle? Ouais, des Twinkies. Non, pas cela. Willy te parle de beaux garçons. J'aime les beaux mecs. Les petits hommes blancs mignons. C'est ce que j'aime, ça. Les petits hommes blancs mignons. Oui, il est gay, donc. Et il veut sucer des Twinkies. Ah, subtilité. Moi et Josie, on aime bien les petits hommes blancs mignons. Ça peut-être commence à me quitter. Pas de soucis, Echo, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Espèce de gros la bête. Mec, oh, c'est quoi ton problème, bordel? C'est moi, ça? Vous sentez ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça pue. Ah, ça pue! Je viens de rester jusqu'au petit homme blanc mignon! Ouais, on arrive dans 20 minutes. Je sais pas. Okay. Moi, ça va. Finalement, les experts sont déjà arrivés. Quand on sera là-bas, il ne faudra pas oublier de leur dire. Oh mon dieu, c'est toi? Mais. Ah, ça sent encore pire. Il fallait voter quand je vous ai proposé soit des nazis de l'espace, soit des vampires lesbiennes, soit des dinosaures. Fallait voter. Tu devrais aller voir un médecin. Hé, j'ai l'habitude, je sens mon odeur depuis 23 ans, je sais que c'est pas moi. C'est un argument. C'est un argument. Pourquoi on n'a pas pris les vampires lesbiennes? C'est vrai. C'est hier soir sur le Discord, j'ai mis qu'est-ce qui vous intéresse dans les films. Personne n'a voté, donc j'ai pris au pif. Mais c'est vrai qu'on avait les vampires lesbiennes et les nazis de l'espace. On est passé à côté des vampires lesbiennes. Ça y est, c'est la révolution dans le chat. Tout le monde est vénère parce qu'on est passé à côté des vampires lesbiennes. Ah merde, ça fait un 49-3 pour qu'on remette les vampires lesbiennes. Promis, peuple du chat, je vous ai compris. Nous mettrons des vampires lesbiennes plus tard. D'abord, on regarde les raptors. À toi. Agent, comment était la route? Ne demandez pas. Je veux des crocs et les broutages. Comment allez-vous? Je suis le shérif Morgan. Député Jones. Enchanté. Je suis l'agent spécial Logan et lui, c'est Aurélie. Agent spécial Aurélie. Enchanté. Aurélie? Vous avez pu trouver quelque chose? Non. Pendant toutes mes années de service, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. On a déjà eu... Espèce de femme blanchisse privilégiée. Alors, attendez, hey, vous dites ça, mais dans ce chat, il y a quand même des lesbiennes, des trans, des gays. Bon, au bout d'un moment, je suis moi-même bisexuel. Comment ça, femme blanche privilégiée? Mais what? Il y aura des licangés pour équilibrer les deux groupes. Alors ça, c'est un film porno, par contre, la plonge. Les licangés... Je pense que c'est un film porno. Disparu et tout. Mais il n'y avait pas de reste, je veux dire. Pas de dépouille. Mais maintenant... Il a raison, c'est très inhabituel. Les dents montrent que c'est une créature du genre très grand prédateur. Par créature, tu veux dire un chien ou un loup? Oh, il y a des hétéros, oui, ici, la plonge, t'inquiète pas. En fait, à côté du ruisseau, on a des... À quand la review du film porno sur cette chaîne? Alors, les reviews de films porno existent déjà, elles sont sur Twitter. Malheureusement, je ne peux pas les faire sur Twitch, parce que sinon je me serais banni, étant donné que sur Twitter, je montre des screens. Voilà. Sur Discord. Sur Discord aussi, vous pouvez retrouver les critiques. Il y a le lien directement vers Twitter. Il s'agit d'une canine? Voilà. Non, je veux dire, je sais pas. Quand la version 18K de Twilight. Edouard. Mords-moi le chibre. Oh. Des tests ADN. On a encore beaucoup de travail ici. Mais c'est un descendant amérindien. Mais ce qui est bizarre, c'est comment le bras a été si bien tranché. Et la chose la plus étrange, ça,
Ça ne ressemble pas à une empreinte de chien. Oh mon dieu, c'est normal, c'est un raptor. C'est quoi ça? Ouais, je sais. Le chien veut un os? Je te donne mon numéro quand tu veux. Oh, ça va pécho là. Ah, mais voilà le fameux Dr. Kane. Tu as chassé un peu? Oui, c'est comme le dit la plonge, tu sais, entre parenthèses, on s'en fiche du moment que tu es heureux. Es-tu heureux, Deus Ex? Es-tu heureux? Ou heureuse? Parce que je ne sais pas. C'est essentiel. Docteur? Vampire un sec. Un froid est en train d'arriver. Et j'aurais besoin de toute ton essence pour mes générateurs. Eh, Abby! On dirait que le pare-brise du Dr. Kane a besoin de nettoyage. Alors si ça ne te dérange pas, tu sais quand on parle de service chez Billy Wayne, Swine and Dine, on parle de service. Oh putain, oh mais... Oh le début du film tellement bof. Oh ils méritent tous de crever. Qu'est-ce que tu penses qu'ils élèvent là-bas, Billy? Des oiseaux qui mangent de la viande? Non, c'est ridicule. Ah, shérif, je pense qu'on devrait rester quelques jours de plus. Il y a un chalet sur la route à environ 20 km. Elle est bonne! Non mais oui, c'est ultra bof! Ne vous inquiétez pas, Jean Logan, on ne dira rien du tout. Je vais aller à Quantico maintenant. On a tout ce qu'on voulait, le reste c'est du travail de labo. Vous pourriez prendre les mesures de confinement pour cet endroit, jusqu'à ce que l'équipe arrive demain? Bien sûr, pas de problème. Très bien. Par contre, j'avoue que la jante est aussi grande que mon avenir. Ah, ce sont des grandes jambes. Le doublage est vraiment... En vrai, ça rajoute, hein. Ça rajoute quelque chose. Abby. Il se masturbe ou quoi? Ah, tu sais, je serais maudit si j'ai passé toute ma vie à faire des recherches. Et que maintenant je ne vivrai pas jusqu'au jour où je pourrais les partager avec le monde. Tu sais, Abby, la vie est ironique. Oui, les gens, la semaine prochaine, vous aurez les vampires lesbiennes. Promis, la semaine prochaine, vous aurez les vampires lesbiennes. Voilà. Votre 49-3 est passé. Peu importe ce que tu décides de faire, donne tout ce que tu peux. Merci, au revoir, Dr. Kane. Vote? Pas besoin d'un vote, vous avez passé le 49-3. Ensuite, la suite de Benjamin. Oui, alors non, on va se calmer, d'accord? On va se calmer, parce qu'on a fait beaucoup de... On a fait quand même deux films d'affilée de... comment ça s'appelle? De Nicolas Cage. Donc on va se calmer. On va peut-être se mettre un petit Stallone avant. Et on verra ensuite. J'ai toujours tenu parole, Ecolive. Alors là, par contre, j'ai toujours tenu parole. J'espère que les vampires l'aiment bien. Alors ça, par contre, j'ai un doute. Pareil. D'où est-ce que vous venez, messieurs? Oh, on fait rien que passer par là, madame. Ah, vous êtes là à cause des meurtres, hein? C'est juste une enquête de routine. Vous pouvez arrêter la comédie. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Vous voulez dire quoi? Carrie-Anne? Oh, ils vont finir par le savoir! Carrie-Anne, je peux te parler maintenant? Ne dis absolument rien à ces hommes. Ils peuvent nous causer beaucoup de problèmes. On pourrait tout perdre. C'est vraiment de la VF de qualité, hein. On ne veut pas attirer d'attention. Comme j'ai dit, c'est juste une enquête de routine. Si j'étais vous, j'irais chez le vieil homme Kane. Ça suffit. Ils doivent le faire. Ça suffit. Vous allez manger ou quoi? Du poulet frit. Pareil. Kentucky Fried Chicken. KFC. Qui n'est peut-être pas du... Attendez, ce poulet frit, c'est peut-être pas du poulet? Oh!
c'est peut-être du Raptor. C'est peut-être du Raptor. Oh non, ça m'a fumé. Oh non, 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 non. Burger. Si tu parles de manucure ou pédicure, je suis ton homme. Mais si tu parles de mécanique, je suis pas l'homme qui te faut. Oh, regarde, regarde, il y a un village là-bas et on l'a raté. Mon Dieu, ce groupe de musiciens qui ont l'air d'être tellement. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Par contre, l'exposition, elle dure 8 siècles et demi. 3 mois. Sans oublier les 7 chiens et plus. Et plus d'une douzaine de bovins. C'est le vampire Chupacabra. Arrête de faire l'imbécile. Allez, mon gars, tu dois bien voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de surnaturel? Je veux dire, ça pourrait être n'importe quoi. Vraiment? Quoi? C'est le Chupacabra. Ça doit être un gros poulet. Alors, je pense que réellement, le Raptor, ça doit avoir le goût de poulet. C'est un gros poulet, le Raptor. Hein. Des aliens. Oh, tout Jésus, je te jure. Pas non mais oui, direct. Des aliens clandestins, ou des dealers de drogue. Des dealers avec des dents de 15 cm, qui dévorent des hommes. Allez mon gars, tu devrais avoir une vue d'ensemble et envisager toutes les possibilités. C'est doublé. Ouais, non mais, la VF est vraiment aux fraises. Hein. Vieil homme, n'est-ce pas? On va y aller demain. La VF est réellement aux fraises. Hein. Il va crever d'une crise cardiaque, le vieux. Ouais, non, mais le vieux, il va vraiment... Le vieux, il va vraiment mourir d'une crise cardiaque, hein. Des meums. Ok, c'est pas de ma faute. Si ça l'est, mec, si tu pouvais mettre ta fierté de côté et admettre simplement qu'on avait plus d'essence, alors on n'en serait pas là. Regarde, qu'est-ce que ça dit? Fossil Ridge. C'est un village, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'ils ont une station d'essence. Ouais, j'espère qu'ils en ont. Ah! Attendez, les Raptors! Où est-ce qu'on est? Ouais, regarde, il est couvert de sang. Putain, mais il est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Hey mec, si on l'était défoncé, on n'aurait pas raté cette fille-là. Ferme-la, on va mettre de l'essence. Quoi? Le rap moche. Salut les gars. Vous êtes là pour le célèbre porc effiloché de Billy? Il en reste encore un peu? Non, ça va aller. Alors vous n'avez pas faim? Besoin de quelque chose à l'intérieur? C'est pas vraiment le moment. On a juste besoin d'essence, après ça, on sera parti. On dirait que vous n'irez nulle part, alors. Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut juste un peu d'essence. Oui, bro. Ce break a besoin d'essence. Oh, vous n'avez pas de chance. Ce que l'abruti est en train de vous dire, c'est qu'on n'a plus d'essence. Ouf. Mais c'est dialogue! C'est dialogue! Travaille combien d'heures pour le... J'en sais rien, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'adore le petit village perdu en plein milieu de nulle part. Rassurez-moi, on est d'accord, c'est une station d'essence. Il y a des voitures. Pour moi, c'est un tableau de station d'essence. Oui. Oh, nous sommes réellement perdus en plein milieu de nulle part. Oh là là. Oula, oula, ça va baiser. À boire, coucou Aizou. Comment vas-tu?
J'en étais sûr que le métalleux allait flasher sur la gote. Qui c'est ? Excusez-moi, monsieur, si vous avez un mécanicien qui pourrait réparer mon bus, vous voyez. Il a joué dans son pantalon. Attendez, il a joué dans son pantalon, non ? Excusez-moi. Ah oui ! Eh oui, il a juté. Sauf qu'il y a 24 heures, elle a peur des ascenseurs, elle a déjà embrassé son chien, et elle ne porte pas de culotte. Ah putain, c'est... Ah oui. Oh, c'est exactement ça, Deus Ex. Putain, c'est un épisode de Next. Pour réparer mon bus, vous voyez, il est tombé en panne, et on doit vraiment prendre la route, on a un grand spectacle auquel on doit assister, on aime... Ouh. Vous n'êtes pas du genre mécanicien, n'est-ce pas ? Non, on est juste là pour faire de l'essence. Mais c'est quoi le problème avec l'essence ? Vous avez besoin de Supreme Plus ? Non, ils n'ont plus d'essence. Ils n'ont plus d'essence ? Comment ça, ils n'ont plus d'essence ? Quel genre de station d'essence n'a plus d'essence ? Oh mon Dieu, je ne comprends pas. Ah ! C'était quoi ça ? Ça vient de la maison du Dr. Kane. Certaines personnes disent qu'il élève des oiseaux de 6 mètres qui mangent les humains. Ils disent qu'il a été radié d'une grande ville parce qu'il faisait des expériences bizarres. Qui sait ce qu'il est en train de préparer là-bas ? Mais je... Des oiseaux de 6 mètres ? Ah, c'est des gros poulets, alors. Hein. Très très gros poulets. Hein. C'est ça. Qu'il a pris toute l'essence que j'avais. Oui, et personne ne l'arrête, oui, ben... Il a dit bonne nuit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit passer la nuit ici ? Hé, Abby ! Tu fermes ce soir. Et surtout, n'y pense même pas. Il est en tracteur, non ? Excusez-moi, monsieur Plouk. Où est-ce qu'on est censé dormir ? C'est un bus touristique, n'est-ce pas ? Dormez dedans ! Attendez, non, attendez. Et putain, et pourquoi tout le monde s'en bat les couilles ? Vous pouvez fermer vous-même. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on va... Attendez, non, attendez, arrêtez ! Où est-ce que vous allez ? Je suis dans mon fourgon. Attendez, vous avez un fourgon ? Oui, il est en panne. Attendez. Et qu'est-ce qui se passe avec ce fameux docteur ? Où est-ce qu'il habite ? Docteur Kane ? Il est assez solitaire. Il n'aime pas qu'on s'approche de sa propriété. Non, vous n'avez pas compris. Vous pourriez peut-être nous y accompagner. Et on va lui demander poliment, bien sûr. Et peut-être qu'il pourrait nous donner un peu d'essence. S'il vous plaît, accompagnez-nous. Please. Juste pour me foutre de la... Mais oui. Oui. C'est quoi cette vision de... Pourquoi il y a un filtre vert ? Attendez. Quoi ? Vision low cost du prélalant ? Non mais attendez, je comprends pas pourquoi il y a un filtre vert ? Mais qu'il y a les couleurs sur le côté. Ils ont baisé la lentille de la caméra. Mais ça n'a pas de sens. Mais surtout que c'est littéralement juste. Ils ont mis une gelée verte devant la caméra. C'est même pas un night shot. C'est même pas un night shot. C'est juste une gelée en fait. Lucas. Ouais. Lucas. Hey, frangin, hey, tu vas pas le croire. Josie et moi, on était ensemble en primaire, mais dans la même classe et tout. C'est quoi son nom, mademoiselle... Mademoiselle Rutledge. Mademoiselle Hutchins. Mademoiselle Hutchins, merci chérie. Mais de rien. Ouais, son père est allé en prison, ils ont attendu qu'il soit relâché. Écoute, Lucas, on doit partir d'ici. Quoi ? Je dois prendre mes chips. Oh. Salut. À part la fille là-bas, tout le monde ici a l'air d'être fou, mec. Youhou ! Des caramels. Il t'aime bien. Oh. Mon Dieu, mais c'est... Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Ils ont n'importe qui en liberté de rentrer dedans. Mais... Que se passe-t-il dans ce putain de film ? Mon Dieu, écoute... Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, il a laissé. En fait, il a laissé les clés à sa... son employé et elle est chargée de fermer, mais elle veut pas. Parce qu'elle, elle n'en a rien à branler. On sera prêt à partir et à descendre les pistes. Hé, tu aimes bien le pulvériseur ? Ouais. La bête, allez, on y va. Ok.
Et tu veux nous rejoindre dans notre aventure ensemble? Oh. Ok. Ouais, j'en serais ravie. Après vous, mademoiselle. Il a l'air d'être demeuré. La bête. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va voir le médecin fou. C'est quoi ça? Mais il a pas l'air. Non, mais il a pas l'air méchant, il a juste l'air d'être un peu con, hein. Il est débile mais gentil. Ouais, ça a l'air d'être un peu le dé. Ah. Le raptor. Ah, le raptor, il est immonde. Un chemin de terre, au milieu de nulle part, au Texas. Je la connais, celle-là. Ah, les... Clin d'œil à Massacre à la tronçonneuse, si vous le saviez pas. Ewitt. La famille Ewitt, c'est la famille de Massacre à la tronçonneuse. Écoute, je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Shelton Maccabich. Je suis descendant irlandais. Ma couleur préférée est le vert. Tu sais, vert. Comme les combattants irlandais. Bonjour, je m'appelle Lacrima, je suis descendante italienne et ma couleur préférée c'est le noir. Je sais, ce n'est pas une couleur, mais... Oh, c'est la pire cartouche du monde. C'est la pire cartouche du monde. Alors pour un nanar, ça pourrait aller comme 3D, mais pas pour un nanar 2012. Oui, voilà, c'est une date de 2012 quand même, hein. Attends, les castors zombies s'allient pour former une armée spatiale causant The Dead Don't Die. Non, ça, quand même. Je mange des pâtes et je chante du héros. Mais oui, c'est super random. Ma couleur préférée, le rouge, blanc et vert. Mon grand-père était vétérinaire, tu sais. Mon père était... riche, tu sais. Et c'est comme un médecin, sauf que tu sais, il travaille avec les animaux, les chiens, les chats... Et d'autres tu sais, non mais c'est ce que c'est un vétérinaire. C'est un plaisir de savoir que ta vie est parfaite. Et mort. Coincé dans un village perdu, oui. Comme certains d'entre nous. Mais tu peux nous rendre un service? Ferme ta gueule. Bien sûr. Quoi? Ferme-la. Shut up. Bien sûr. D'accord. Si je peux me permettre, je crois que tu n'étais pas vraiment populaire au lycée. Allô? Alors tu es prêt pour ça? Hey, c'est Atwood. Du nouveau? Le rapport d'ADN vient juste de sortir. C'est un raptor. Pas un problème. C'est quoi le problème? Bon, c'est peu concluant. Ou peut-être même un peu improbable. C'est un raptor. Le plus proche de cet ADN est celui du dromaeosaurus théropode. Tu peux répéter? Plus connu sous le nom de Velociraptor. Tu veux bien répéter? Attends. Dromaeosaurus vélop... Attends, quoi? Velociraptor. Quel est le terme qu'ils ont inventé? Attends, quoi? Ils ont utilisé quel terme? ADN est celui du dromaeosaurus théropode. Attends, dromaeosaurus théropode. Est-ce que c'est exact? Putain, on devrait poser la question à Kennedy. Je sais même pas. Mais comment elle peut putain le savoir? Dromaeosaurus théropode. Plus connu sous le nom de Velociraptor. Tu veux bien répéter encore? Là, j'ai cru entendre un rapace. Écoute, j'ai pas dit que c'était un rapace. Mais peu importe ce ça que c'est. Ça n'a aucun sens. Il est très proche d'un reptile qu'on n'a plus revu depuis la période Crétacée. Et c'est... Dromaeosaurus, ouais. Il y a environ 75 millions d'années. Attends, c'est incroyable. C'est bien ça, ouais. Marcus est en train d'envoyer une petite armée pour mettre la zone en quarantaine. Oui, bien sûr. Autre chose. Ces bêtes sont nocturnes. Et ce sont les chasseurs les plus féroces qui existent sur Terre. Alors peu importe ce que tu fais, reste à l'intérieur ce soir. Je dois y aller, il m'appelle. On se parle plus tard. Prends soin de toi. Bah elle a fait un échantillon ADN. Elle le sait donc. Nous sommes dans un film nanar. Tu vas même pas le croire. Quoi? Bah là ils sont au Texas.
Attends, qui a vécu au Canada alors que là ils sont au Texas. Oh mon dieu. Mais il est en face de vous là. Venez pas me dire que vous le voyez pas. On y va. Wow. Pardon ? Alors déjà, le nom du film, et ensuite... Ouais, depuis le temps, il a pas fini sa crise cardiaque, lui ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Sortez de ma propriété ! Vous ne devriez pas être là ! Docteur Kane, c'est Abby. Abby ? Oui, allez. Et oui, le calcaire était pété aussi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'es pas censé être là. Allez, on va vous aider. Ouvrez-vous. Allez, on va vous ramener à l'intérieur. On vous ramène à la maison, allez. Eh, vous pensez que c'est qui s'est bouffé en premier, là, parmi les quatre ? La bête, on a vraiment besoin d'aide, mec. D'accord, vous pouvez y aller, vous. Je vais rester ici. C'est peut-être un nain de jardin qui ne va pas bien. D'accord, il est en plein bad trip. Genre qui arracherait la chair de tes os. Attends, j'ai pas la version anglaise. Parce que regardez ses lèvres, ça ne correspond absolument pas. Tu sais, le genre qui arracherait la chair de tes os. Il a peur de flamant. Non, je pense qu'il est juste en bad trip. Maintenant, vous devez tous partir. Abby, tu vas prendre tous tes amis et les faire sortir de ma propriété. Ce n'est pas sûr ici. Pourquoi on n'est pas en sécurité ? Il vient de dire qu'on n'est pas en sécurité ici. C'est certainement à cause de ton ami qui a peur des nains de jardin. Non, des flammes en rose, connasse. On devrait vous emmener à l'hôpital. Est-ce que vous prenez des médicaments ? C'est en haut, dans le grenier. Ok. Mais, peu importe ce que tu fais, surtout ne touche à rien. Parce que qu'aux douches, pas de soucis, la plonge. Et elle va être tellement en colère contre moi. Je deviens un peu comme Madame Kane quand j'ai faim aussi. J'espère que c'est pas Madame Kane. Enfin... Kane n'a pas de femme. Elle est morte il y a longtemps. Alors s'il ne parle pas de sa femme, de qui est-ce qu'il est en train de parler ? De Raptor. Tu ranges tes médicaments au grenier. Je n'ai aucune idée. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Comme elle. Tu vas. Je vais aller lui chercher ses médicaments. Danger, ne pas entrer. Bon, je pense que lui va crever dans pas longtemps. Je pense que lui va crever dans pas longtemps. Merci beaucoup le Mox pour le follow. Merci beaucoup. Y a pas les alertes parce qu'on regarde un film, mais merci beaucoup à toi. N'hésite pas à parler dans le chat, nous sommes très gentils. Acrocanthosaurus. L'acrocanthosaurus. C'est un dinosaure. Effectivement un dinosaure. À bouir, à let's go à bouir. Mais comment vas-tu ? Oh, le gentil chacha! Le gentil chien-chien! Ah, le chat. Bonne soirée à toi, la plonge. Et ça va, mais ça va, on regarde un film. On peut vous prendre un peu d'essence? Attendez, quoi?
Qu'est-ce que... C'était l'un des plus grands théropodes, mesurant près de 12 mètres de long et pesant 7,7 tonnes. Alors déjà, c'était beaucoup, mais ensuite... Le vieux, il a une crise cardiaque, il fait quand même cabriole. Attention! Cabriole! Prendre un peu d'essence. Cabriole! Mais... Ça n'a pas de... Non, mais on va dire que c'est un bébé, Deus Ex. C'était un bébé. Non, mais il a fait une roulade de Dark Souls. C'était pour tenter d'esquiver un sort, mais il avait un dot sur lui, malheureusement. Il a pas esquivé le sort. Il a voulu esquiver la crise cardiaque. Il a fait rouler. Ah bah tu vois, non, en fait c'est cul de couveuse, y'a que des œufs, Deus Ex. Est-ce que ce connard va se faire une... Est-ce qu'il va... Ah non, y'a pas que des œufs. Oh, oh Seigneur tout puissant. Non mais... Je peux m'asseoir près du mort dans le fourgon. Alors déjà, il y a beaucoup trop de scènes. Alors, il y a beaucoup trop de scènes. Il y a beaucoup trop de scènes. La première... C'est celle-là. Et ça? Puis la deuxième! Le mec fait un massage cardiaque, mais... Alors, un massage cardiaque, c'est au rythme de Still in the Life. Still alive, still alive. C'est pas juste... Voilà. C'est pas ça. Et ensuite... Attends, je pense qu'on va y arriver. Troisième gag. La blague vomi. Voilà, voilà. C'était la blague vomi. Je peux m'asseoir? Par contre, ça me dégoûte un peu, j'ai failli vomir moi aussi. Près du mort dans le fourgon. Alors, par contre, la gothique est très conne. Vous devriez venir voir les poules chauves, les mecs. Les poules chauves. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Vous devriez vous trouver une chambre. Ça me dirait bien, ouais. Allez les gars, venez, venez. Vous devriez... Pourquoi il y a eu un retour sur les mecs du... Mais ça n'a rien... Eh mais le monteur, il est bourré. Oh, ces agros tantosaurus. Quoi? Les poules... Oui, les poules chauves. Vous devriez... Venez voir les poules chauves. Ah mais ton briquet, il éclaire rien. Je le sens à côté du mort. Oui, oui. Oui, elle l'a vraiment dit. Ah. Est-ce que c'est le moment où on aura notre nichon? C'est peut-être le moment où on aura notre nichon. Mais j'ai jamais vu ce genre de poule, moi. Oui, mec, ces poules ont des dents. Le colonel doit certainement donner des stéroïdes à ces poules. Le colonel? C'est vraiment le meilleur voyage de ma vie. Pardon? Ah, j'aime bien comment tout le monde la regarde en mode... Qu'est-ce que tu racontes? Et regardez vraiment comment... C'est vraiment le meilleur voyage de ma vie. Comment tout... En mode, genre, tout le monde la raconte et en mode... Qu'est-ce que tu racontes, meuf? Coucou le BG, comment vas-tu? Mais... J'aime bien vraiment la meuf qui est en mode... What the fuck, dude? What the fuck? Je suis pas sûr que c'était dans Scream cette scène. Je pense qu'en fait, la gothique, elle tout d'un coup, elle a dû ne plus avoir de texte.
et elle a dû partir en roue libre. Et ça, c'est réellement les vrais regards des acteurs à ce moment. En mode, attends, elle joue ou elle est juste conne? quoi? Ok, bon les gars, on devrait partir d'ici. Écoutez, je voulais rien dire, mais j'ai vu des choses vraiment bizarres dans le grenier du Dr. Kane. Quel genre de choses bizarres? Ne me demande même pas. On doit partir d'ici. Écoutez, je veux que tu ailles à mon fourgon pour prendre ma lampe torche. Gros gars, l'essence. Tu peux t'en charger? Ouais. Ok, vas-y. D'accord, c'est bon. Quant à toi, je veux que tu restes ici. Pour que je te surveille. Ah, d'accord, il y a un conflit entre la gothique et la fille. Juste justification flemme d'expliquer. Non mais oui, c'est ça, c'est flemme. Hé hey, les gars, j'ai trouvé l'essence. Non, t'as trouvé un bidon. T'as pas les trouvé gars, l'essence. Il y a de la lumière là-bas. Pour que vous puissiez voir l'essence. Ils ont sûrement besoin de... Too much? J'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'ai trouvé l'essence. Il va ouvrir la porte. Alors je pense aussi qu'il va ouvrir les portes, mais j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et ensuite, non mais ça c'est américain par contre, Exia. Il doit mourir pour le scénario. Je pense qu'il va mourir, ça c'est sûr. Mauvaise. Je sais pas. Oh bah c'est pas... Dance, light, T-Rex. Ok. Non mais... Ok. C'est... Pas de soucis. Par contre, Dance... Connecté à off... Non, Dance on. En mode les... Ah ouais, non, attends, Dance on, ça doit peut-être être les portes sont ouvertes. Il y a un détruiteur qui allume le T-Rex. Oui, mais il y a en maintenance actuellement. Les portes. J'adore les portes. Comment ça, t'adores? D'accord, il a vraiment ouvert les portes. Ok, bon, il est très con. Mais comment ça éteint les lumières? Les raptors sont sur vous? J'espère que les autres. Qu'est-ce qui branle? Oula. D'accord, donc il y a un T-Rex qui vient de se libérer. Ah non, il y a deux T-Rex qui se sont libérés. Bah attendez, il y a deux T-Rex qui se sont libérés? Mais du coup, celui qui marche sur la route, il... Attendez. Il y a deux T-Rex là-dedans? Mais du coup, lui, il vient d'où? Ça veut dire que quoi? Attendez, ça veut dire qu'il y a 3 T-Rex? Beth. Oui, mais Beth, c'est son nom. Je pense que c'est... Le Beth, c'est le nom. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a 3 T-Rex? Ça n'a aucun putain de sens. Mais oui! Ils se sont pas censés être tous enfermés. Deux Spinosaurus, on dirait. On va appeler ça des T-Rex. Allez voter les lesbiennes. Non, la
Laisse-les tranquilles. Il conduit. Alors, plus solide, je ne sais pas. On va appeler ça des pancakes. Ok, va pour les pancakes. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Ah! La bête est morte. La bête est morte. Mais comment ça marche? Ils ont pas fait l'essence! Attendez! Ils ont pas fait l'essence dans leur camion! Pourquoi je pose des questions? La réserve! Sachez qu'un T-Rex, ça court à 50 km/h. Au cas où, si vous le saviez pas. Ah, c'est le van qui a pas de... Ah! Les gens, les nichons! Pas de câlin, pas de bisous, même pas de premier. Par contre, enlève tes putains de lunettes, espèce de débile profond de ski de merde! C'est quoi le préliminaire? Ah. On est à ce niveau d'intelligence. Alors... Est-ce que j'ai besoin de vous demander, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est des préliminaires? Ou, dans ce chat, tout le monde sait ce que c'est? Non. Je pense que dans ce chat, tout le monde sait ce que c'est des préliminaires. Pas forcément besoin de vous dire que c'est important. Des prélimi quoi? Des préliminaires? Est-ce que ce sont des trolls ou est-ce que c'est des vraies questions? Et quelqu'un se file un cerveau à la blondasse. Oh mon dieu. Oui. Oh oui, exactement. Je tape dans le fond et hop, go. Bon, d'accord. Je sais vraiment pas. C'était une question. Pas forcément à laquelle j'attendais une réponse, mais s'il y avait des gens qui ne savaient pas ce que c'était réellement les préliminaires, et Izu n'a pas l'air de savoir. Du coup, on va expliquer. Environ 3 minutes de moyenne. Non. Alors, Izu, des préliminaires, c'est quoi? C'est en fait le fait de, dans un acte sexuel, de pas... Alors, je vais parler vraiment juste d'un acte hétérosexuel. D'accord? C'est différent pour un acte homosexuel et tout, mais grosso merdo, ça va être la même chose. C'est la préparation à l'acte sexuel. Très souvent, préparation à la pénétration. Et ça va être de faire monter l'excitation de ton partenaire en touchant des zones érogènes. Par exemple, chez une femme, ça va être via des caresses, via toucher la poitrine, jouer peut-être avec la poitrine. Jouer en tout cas avec les zones érogènes. Et de doucement faire monter la température. Et c'est très important, notamment chez les femmes, pour la bonne et simple raison, que les préliminaires aide à la production de cyprine et notamment à la lubrification naturelle du vagin. Et donc à faire en sorte que le pénis glisse mieux et ne fasse pas mal. Voilà. Ça aide aussi à tout simplement monter l'excitation, détendre les personnes, ce genre de choses. Ça sert à ça en fait, les préliminaires. Il n'y a pas forcément de durée minimum ou durée maximale. Tout dépend en fait de là ou le partenaire avec qui tu es. Et voilà. Voilà. Tu as touché l'abricot de mon conjoint avant l'acte. De préférence. Seulement si elle est seulement si il ou elle est consentante. Voilà. Cours d'éducation sexuelle avec la CRI. On essaye. Après, il y en a qui s'en passent, des préliminaires, mais c'est quand même mieux. Oh, enfin une maison. On va être en sécurité. Tu n'as pas arrêté de te plaindre depuis qu'on a quitté la station d'essence, et tout ce que j'ai fait depuis, c'est t'aider.
Oh, m'aider. Tu sais, si tu penses que tu peux survivre dehors, mais... va-t'en d'ici. Mais attends. Quoi? Mais il s'est pas plaint! Il est juste content de voir une maison! Il s'est pas plaint! Calme-toi! On rappelle que l'acte ne se limite pas à l'orgasme et que ne se limite pas à l'orgasme qui est que d'un parti. Alors, oui, et surtout, l'acte sexuel ne se limite pas à juste l'orgasme. Voilà, ne l'oubliez pas aussi que c'est pas parce que vous avez un orgasme que il faut tout arrêter. Non, il y a pas que ça. Et aussi, vous pouvez très bien avoir une bonne baise sans pour autant avoir un orgasme. C'est aussi possible. Voilà. L'orgasme est l'aboutissement de tout le taf avant. Oui, alors oui. Et ah ouais, oui, ah non, mais oui, tu peux avoir, tu peux, moi j'ai déjà eu des actes sexuels où il n'y a pas forcément eu l'orgasme, mais bah, c'était quand même extrêmement bien, et je ne regrette absolument pas. L'orgasme n'est pas forcément le but que vous devez atteindre constamment. Et là j'en étonne beaucoup. Et autre chose, il faut savoir, autre chose très très important. Généralement, pour une femme, l'orgasme et l'éjaculation sont la même chose. Je dis généralement. Pas souvent, pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Mais pour un homme, l'orgasme et l'éjaculation sont deux choses différentes. Et ça, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Oui, les gens. En tant qu'homme, vous pouvez éjaculer sans avoir un orgasme. Et inversement, vous pouvez avoir un orgasme et sans éjaculer. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, Deus Ex. C'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Alors, là, en fait, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes... Eh, venez, cours d'éducation sexuelle, là. Hein, let's go. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent orgasme et éjaculation? À cause des pornos. À cause, malheureusement, des pornos. Les pornos, très souvent, malheureusement, les gens oublient que c'est de la fiction et se basent beaucoup sur les pornos pour croire que ah, c'est comme ça qu'on doit faire le sexe. Pas du tout. Et donc, en fait, dans les pornos, généralement, la fin de la vidéo ou le climax de la vidéo, c'est... l'éjaculation de l'homme, avec des cris en mode de... Voilà, je fais vachement bien. Et très souvent, c'est associé à l'orgasme, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Voilà. Vous pouvez, en tant qu'homme, avoir un orgasme sans éjaculation, et inversement. Tu fais si bien, merci. Tellement l'habitude de regarder du porno, c'est pour ça. Je fais exactement la même chose. Qu'on irait plus pertinent avec des vampires lesbiennes. sans doute. Vous auriez sans doute beaucoup appris de choses. Mais voilà. Tout comme, souvenez-vous les gens, une femme peut éjaculer. Haha. Voilà. Voilà. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle aussi des femmes fontaines. Bien sûr, tout ce que je vous raconte, alors, tout ce que je vous raconte, c'est dans le cadre de personnes cis et de relations très souvent hétérosexuelles. Comme ça, ça parle le plus grand, ça parle au plus de monde, et c'est, on va dire, je vais dire la norme, c'est pas la norme. Courant, c'est le plus courant. Nous vivons dans une saucisse, les gens. C'est bizarre, mais c'est ça. Nous vivons dans une société qui est généralement hétéro. En théorie. À défaut du contraire, nous vivons dans une société hétéro. C'est comme ça. Donc c'est pour ça, je prends beaucoup hétéro et surtout cis. C'est pour ça que je prends la plupart du temps, quand je parle de façon générale, je parle de personnes cis et d'hétérosexualité. C'est plus pratique pour la reproduction, c'est surtout... Oui. Oui. Effectivement, Wenuva, c'est effectivement... Effectivement, c'est très compliqué de se reproduire de façon biologique entre deux personnes homosexuelles cis. À défaut du contraire, je n'ai jamais vu deux hommes cis réussir
à se reproduire, et inversement pour deux femmes. Sans l'aide de la science, hein, je parle, bien entendu. C'est difficile. Donc, la reproduction des espèces est plutôt programmée comme ça, Oui. Enfin bref, voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Pourtant, Dieu sait qu'ils essayent. Et pourtant... Pourtant, les couples gays essayent énormément. Mais ça ne veut pas. Je pense qu'il y a quelque chose dans la science qui fait que ça ne doit pas aller. Il faut peut-être qu'on essaye de creuser la science pour savoir pourquoi est-ce que un couple gay ou lesbien, hein, un couple homosexuel, ne peut pas avoir d'enfant biologiquement. Faudrait qu'on essaye de creuser. Il y a peut-être une réponse dans la science. Je dis ça, je dis rien. Peut-être. Voilà. Tu veux tester avec moi ? Pour la science. Tout, bien évidemment, toujours pour la science. Bref, retournons à notre film. Ok. Vas-y. Ok, c'est bon. Sheldon ! C'est quoi cette dispute de merde ? Écoute. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et je ne sais pas non plus pourquoi ça nous arrive. C'est des raptors et des dinosaures. On sera plus en sécurité à l'intérieur que dehors. Ok. T'as raison. Ah. Oh, on dirait que le petit ami de quelqu'un est là. T'es con ou quoi? C'est le... Y a pas d'émotion dans... Non. Heureusement que ce cactus planque. Heureusement que ce cactus planque des choses. Heureusement, je veux vomir. J'ai envie de crever aussi. J'étais en train de penser à toi. On peut peut-être faire un petit ménage à trois. Oh, il va se faire bouffer. Non mérité. Mérité. Totalement mérité. Donc il y a bien trois gros dinos. Donc ils sont bien trois. Miam 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 miam, it's delicious. Ah mais il peut pousser plus, là il peut attraper la gothique. Mais elle est chez elle! Attends, c'est chez elle? Mais oui, c'est chez elle! Attendez, ça veut dire... Attendez. Ça veut dire que son patron était chez elle? Ça veut dire que son patron était chez elle en juste corps, en train de se verser du champagne dessus? Ah mon Dieu! Oh my God! C'est son canapé qui est ruiné. Bah ouais. OMG! Donc là il y a un film de karaté. D'accord. Si tu continues à faire ça, petit, tu vas exploser ton petit corps. Je te préviens, toi et ton petit gars en train de se sauter là-bas. C'est fou, c'est fou. C'est pas mignon, c'est trop.
Est-ce qu'on va avoir des nichons au bout d'un moment? C'est un Doberman. Tu ressembles à un pitbull croisé avec un rhinocéros. Attends, monsieur chien, je veux juste aller aux toilettes. Ou alors, est-ce que vous le sentez, la blague pipi où il va mourir dans les toilettes, lui? Voilà, moi je le sens bien, la blague pipi où il va mourir dans les toilettes. Je veux pas que le gamer, il est cool. Ah, il est très cliché. Hein. Il est ultra cliché. Tais-toi, le chien. Je dois aller aux toilettes. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Tu vas aux toilettes, toi, là-bas. Little Willy doit aller aux toilettes ici. C'est ça. Fais-toi oublier un peu. Ah, bah, on va voir le... On va voir le pauvre chien. Qui est là? Le raptor, il est là pour un gloriole. Je t'ai dit de partir. C'est occupé, là. C'est devait... Non, mais la VF est incroyable. Attends, attends. Ah, non. Bon, bah, dommage pour lui. Oh non! Oh non! Non! Mais non! Vous allez me dire que pendant la seule scène de sexe, elle n'a pas enlevé son soutif! Non! Non! Messieurs, mesdames, transgenres, sans genre, petite mitochondrie. Le film nous a déçus pour la énième fois. Ce film incroyablement bof, sexiste, et aussi plein d'autres termes, nous réserve une scène de cul. Incroyablement bof, mais où le soutif n'a pas été enlevé. Mes chers compatriotes, je trouve ça... honteux. Et c'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que la semaine prochaine, nous aurons des vampires lesbiennes. Parce qu'il nous faut notre quota de boobs. Français, Françaises, je vous ai compris. Et là, vous jouez de la Marseillaise, bien entendu. L'homme au nichon, il enlève pas. Mais oui, le mec se fait quand même appeler l'homme au nichon. Le mec est en mode. Alors viens avec moi et tu verras, t'as toutes les femmes qui vont faire comme ça. Le mec a une tasse nichon et quand il baisse, il n'agrippe pas, même pas les nichons. Et il n'a même pas dégriffé le soutien-gorge. Je trouve ça honteux. Des quoi? Des vampires lesbiennes. Voilà, monsieur la plonge. Des vampires lesbiennes. Et Yami est déçu. Mais je suis moi-même déçu. Est-ce qu'il y a des gens... Là, putain... Oh, mais je pense aux gens qui ont voté... Attendez, est-ce qu'il y a des gens qui ont voté qu'il n'y aurait pas de nichons? Personne n'a voté qu'il n'y aurait pas de nichons. Donc ça veut dire qu'actuellement, il va y avoir 2600 points qui vont disparaître. Aïe, 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 les gens. Aïe, aïe, aïe. Attendez, le film n'est pas fini. Il reste encore 36 minutes de film. Let's go. Oh. Ah non, attends. Non. Oh, bébé. Attends. Ah oui, mais en plus, elle l'a attaché, elle lui a mis une ceinture pour un peu l'étrangler. Non, non. Appelle quelqu'un pour leur dire. Ah, leur dire quoi? Que t'es en train de battre le record de Lucas, bébé. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Je sais pas. Pourquoi cette jambe est levée? Pourquoi cette jambe est levée?
Ah bah oui, t'as voté avant le reset, il fallait revoter par-dessus, Exia. Pourquoi il y a des chaussettes? Alors oui, déjà, pourquoi vous gardez les chaussettes? Déjà, pourquoi est-ce que vous gardez les chaussettes? Et ensuite, pourquoi la jambe est levée? J'ai clip. Ah. Alors oui, les gens, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des clips, hein. N'hésitez pas à faire les clips, à faire plein de clips. J'adore les clips, en vrai. Oh mon dieu. En plus, on vient de commencer. Ah, oui. Ah. C'était quoi ça? C'était moi, mais ça fait combien de temps? 20 minutes. Oh. C'est à mon tour maintenant. Ah. Non! Le... Ah. Donc il est... Bon. Bah elle a plus de tête. Bon, elle a plus de tête. Elle a plus de tête. Ok. Donc les gens, il n'y aura pas une nichon. Oh là là. Putain. Comment je retrouve les clips? Alors, les clips que tu as fait, je sais plus, je sais pas quand t'as pas de chaîne. Je crois qu'il faut que tu ailles dans ma chaîne. Dans ma chaîne, ensuite, t'as un truc qui s'appelle, qui ressemble à un genre de 4 vidéos. Et là-dedans, quand tu cliques dessus, tu fais les clips, un clip. Et du coup, là, tu pourras trouver les clips que tu as fait. Et sinon, moi, de mon côté, je peux les voir. Donc, ne t'inquiète pas. Je vois effectivement que tu as fait des clips. C'est bon, ne t'inquiète pas. Ah, le plan du début! Bon, allez, qui va se faire bouffer, là, cette fois? Mais pas de soucis. En vrai, les clips, ça aide beaucoup pour savoir qu'est-ce qui vous a fait rire, ce genre de choses. Et comme ça, après, moi, je peux les partager sur Twitter et tout. Donc, c'est très cool, les clips. Je vote pour la goth. Ouais, je pense que la goth aussi va se faire dévorer. Non, mais on ne le lâche pas, les nichons. Il s'appelle quand même l'homme nichon. Au final, il y a combien de T-Rex? Il n'y en a que deux. Pourquoi ils en manquent trois? Le caméraman. C'est peut-être le caméraman qui va mourir. Ça va, le T-Rex, il rentre là-dedans. L'homme nichon, il a pas retiré le soutien. Oui, non, mais ça, c'est pitoyable, par contre. Après, je peux comprendre garder des vêtements pendant le sexe. En vrai, c'est cool. En vrai, garder des vêtements pendant le sexe... Non, je peux comprendre, c'est cool. Garder le soutif, ou avoir juste la bretelle du soutif qui tombe, encore avoir la culotte et elle est juste décalée, ou elle est juste, par exemple, sur une jambe. Ça fait, je sais pas, ça rajoute un petit côté vraiment un peu bestial, un peu sexy, tu vois. Je comprends. Mais là, dans un film, putain, t'enlèves le soutif. Et coucou Léo. Tu arrives pile au bon moment. Coucou Léo, comment vas-tu? Garder les collants. Oui, voilà, garder les collants, ce genre de choses. En vrai, je comprends. Garder un petit vêtement. C'est sûr qu'avec ce qui est arrivé à ton patron là-bas, tu n'auras pas à aller travailler demain. Si cette bête nous rattrape, c'est sûr qu'on sera tous en absence permanente. Tu nous avais pas dit que tu avais vu quelque chose de bizarre dans le grenier du docteur? Ouais, des dinosaures. Est-ce que tu as réussi à trouver une explication sur comment... Le côté bestial t'arrache tout. Alors, oui, mais j'aimerais réutiliser le vêtement. D'accord. Parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, sur le coup, tu fais pas attention parce que t'es dans l'action. Après, c'est chiant. Surtout quand c'est la culotte qui a été arrachée.
Et surtout quand c'est une culotte qui coûtait 50 balles. Parce qu'elle était en, parce qu'elle était en dentelle, qu'elle était très jolie, qu'elle était en petite dentelle satin. Voilà. Oui, j'en veux encore à la personne d'avoir fait ça. Sur le coup, non, parce que c'était un bon coup. Mais maintenant, oui. Maintenant, j'en veux toujours à la personne. Parce que j'ai perdu une culotte à 50 balles. Et bien entendu, comme c'était un ensemble culotte soutien-gorge, je n'ai jamais réussi à racheter exactement la culotte à l'unité. Voilà. Yo, Raptor Ranch, j'ai vu sur une chaîne YouTube qui parle des monstres des films. La chaîne cinéma qui s'appelle bah justement Monstres de films. Parce que si c'est le cas, j'ai pas souvenir qu'ils aient parlé de Raptor Ranch. Mais si c'est pas le cas, je connais pas. C'est Monstres de films ? Ah ouais ? Attends, fais voir. Je suis désolé, on va regarder. Monstres de films. Raptor Ranch. Ils ont parlé de Raptor Ranch, monstre de film ? Ah ouais, en 2020, dans les monstres de l'été. Ah putain, c'est une vidéo que j'ai pas vue. Ah bah je ne savais pas du tout qu'ils avaient regardé. Bah je ne savais pas du tout qu'ils l'avaient regardé. Complètement par hasard. Si vous connaissez pas la chaîne Monstres de film, très très bonne chaîne de cinéma. Où ça ne traite que de cinéma avec des gros monstres, des gros dinosaures et tout. C'est très cool. Créatures qui ont disparu il y a des millions d'années ont soudainement refait surface et nous poursuivent partout. Ne me reproche pas tout ce qui nous arrive. Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est la tienne. Ma faute ? Comment ça de ma faute ? Mais pourquoi sa faute à lui ? Si tu n'étais pas là, je serais assise chez moi en ce moment. Parce que je te rappelle que c'est ma maison qui a été détruite. Tu sais quoi ? Mon ami petit gros est mort à cause de ça. Et quand je dis petit, je veux pas dire petit. Je parle de 180 kilos, de la limonade, des boules de neige et des nachos, tout détruit. Ouais, et il y a un dinosaure devant. Un dinosaure bleu. Bleu, c'est là. Oui, il y a un dinosaure devant vous. Attendez, quoi? La VF est vraie. La VF, elle est vraiment partie en roue libre. Hein. La VF est vraiment partie en roue libre. Hein. D'où est-ce que tu viens ? Wow. Woody Woodpecker. Non mais oui, Woody Woodpecker, mais. Non, on n'a pas fait tout ça pour revenir au même endroit. On a fait un cercle complet. Sheldon, on y va. Ouais, c'est pas faux, ils ont fait un cercle. Oh, le chien. Oh, Willy. Par contre, j'avoue que chasser un raptor avec un arc à flèche, c'est peut-être pas ultra pratique. On va pas se le cacher. Ah oui. Quoi? Mais pourquoi t'as hurlé alors? La meuf elle hurle, les autres viennent et elle fait quoi? Elle est ravagée la gosse hein. Pas la gosse, la gotte, elle est ravagée. Oui, oui, oui. J'aurais pu te tirer dessus, idiot. Ah, 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 ouais. Dis à ton ami de se taire, tout de suite. Ok. J'en suis. Lucas, Lucas, Lucas. Hé, hey, regarde-moi. Regarde, la dinde. Chauve, le singe avec un long museau, l'autruche, les meurtriers.
On doit vraiment appeler quelqu'un, frangin. On peut Oh, mais ce film. Ok. Garde-moi. Regarde, la dinde. Chauve, le singe avec un long museau, l'autruche, le meurtrier. On doit vraiment appeler quelqu'un, frangin. On peut... Oui, oui, non, en vrai, ça c'est drôle, ça marche. L'acteur il a arrêté de jouer. Là, en fait, ça c'est pour dire, parce que c'est vraiment son frère, je pense, pour dire, non mais frère, faut vraiment qu'on appelle quelqu'un. On est en train de jouer dans un film de merde, on est en train de foutre en l'air de notre carrière. Viens, on appelle notre manager. Ça, je pense que c'est, réellement c'est ça en fait ce qu'il veut dire. Appelez les flics! Il n'y a pas de police dans ce village. Oh merde! Un raptor qui fout le zbeul! C'est un raptor manifestant, il fout le zbeul dans, dans l'épicerie. Plan. On monte dans le bus et on part d'ici. Et le bus, il a plus d'essence. Il a de l'essence, le bus? On voit que c'est une marionnette. Oui, oui, non, mais oui. Oui, le... Allez, allez, maintenant! Et presque! Allez. Est-ce que ça va? Oui, mais pas de moteur. Allez. Ah oui, il y a pas d'huile, le moteur fume. Okay, j'ai vraiment eu une très mauvaise journée avec les voitures aujourd'hui. Alors si ça vous dérange pas, reculez. C'est qui cette fille? Démarre la voiture. OK. Bon. Non, 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 non. Oui, alors par contre, ils sont partis directement en 80. Hein. On a laissé la voiture de maman. On l'a laissée là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Soit les dinosaures vont me tuer, ou alors c'est ma mère. Allô, on s'en fout, on va mourir. Merci, mademoiselle optimiste. Tu m'aides beaucoup. C'est une route sans... Et... Alors, concrètement, je sais pas comment ça se passe, la famille aux États-Unis, mais je pense que je préfère être tué par ma mère... que par des dinosaures. Parce que si ma mère me tue, il y aura peut-être une justice. C'est... Vas-y, c'est peut-être quand même mieux. Je peux pas la prendre. Où est-ce qu'on va? On va traverser le centre-ville de Fossil Ridge. Et on arrivera à l'autoroute. Alors, où est-ce que tu veux aller? À gauche ou à droite? Moi, je m'en fiche. C'est l'est ou l'ouest? Les filles en Californie, elles sont canons. On va aller à l'est. Tais-toi, Lucas. Il faut partir d'ici, mec. Quoi? Ah oui. Bah, on s'en fout, alors. Puis si ma mère a plus dedans, c'est pas le cas du livre. Oui, voilà. Alors là, c'est parfait. J'adore l'odeur de la fumée des moteurs. Je vous ai dit qu'il était pas en bon état. Oui, ça se voit que c'est de la merde. Mais sinon, dans ce village, y'a personne d'autre que eux. Parce que concrètement, ils étaient où? Ils sont où tous les autres habitants? Les Texans. Super. Ah, mais il vient de là ce plan! Ah, mais il vient de là ce plan! Ah, mais il vient de là! Ah, mais attendez, mais ce plan, 56 minutes, mais on l'a déjà vu ce plan! Mais le menteur! Mais oui! On l'a vu au tout début, ce plan! C'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait trois T-Rex, mais en fait non, c'est juste qu'ils se sont... C'est juste qu'ils se sont plantés de plan. Il y a un plan qui était pas au bon endroit. C'est l'histoire de ma vie. Vraiment. J'aurais pu rester à l'école et faire des activités extra... Mais frère, il y a un T-Rex! J'ai décidé de faire du ski avec cet abruti ici, et maintenant je suis au milieu de nulle part. Tu... Sheldon, tu peux nous rendre un service? Et faire quelque chose d'utile? Ferme la porte derrière toi. Tu sais quoi, madame commando? Je suis pas le seul soldat dans cette armée. Il va mourir. Je demande pas aux autres de faire quelque chose. Il va mourir. J'en ai marre. Quoi? Mais tu l'entends pas, le putain de T-Rex derrière toi, espèce de fils de pute! Pourquoi dans ce film, vous avez tous décidé d'être cons? Je suis en train de péter mon câble. Soldat! Quoi? Fais vite! Ok! Vous êtes content? Mais ça change rien!
Mais ça change putain de rien. Mais oui. Elle fait de 100 000. Ah non mais c'est infernal. Ah. Ah le Space Mountain. Attention. C'est... Ah, c'était nullement impressionnant, dis donc. Hein. C'était nullement impressionnant. Nul 120. Ah non, mais nul 120. Hein. Ah, il y a des raptors maintenant. Remake de Jurassic Park. Ouais, enfin, mais Jurassic nul. Sheldon, Sheldon, Sheldon. Ah bah, je pense que Sheldon il va mourir. Hein. Je pense que Sheldon il va mourir. Hein. Mais comment t'as les clés pour entrer dans cette boutique? Mais attends, t'as les clés comment? Mais meuf, t'as les clés de toute la ville ou quoi? Elle a moitié de... C'est vraiment bizarre. Je me sens comme à la maison. Quoi? Mais... Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais t'allumes pas, espèce de gourde. C'est... Que ce soit les deux autres qui allument, parce que les deux autres sont débiles, je veux bien. Mais toi, t'es pas débile comme meuf. Ah, par contre, il y a des armes. Ça, c'est cool. On rigole plus. Je pense qu'on sera en sécurité ici, pour l'instant. Pourquoi t'essayes pas la porte arrière? Le casse. Ils sont non confirmés. Ok. Pas de soucis, Deus Ex. Bisous à toi, bonne nuit. Donc j'ai jamais entendu le cri. C'est un raptor. D'accord, et toi qu'est-ce que tu fous toujours dans le... Le monteur, mais il est bourré. Le monteur, il est bourré. En train de bouger mais très doucement, donc ça veut dire que quelqu'un le pousse. Ouais Roger, le camion il fait quoi là? Oh, je sais pas, je crois que c'est un manège de la fête foraine. Oh, tu penses? Tu crois qu'il va choper la queue de Mickey et qu'il va continuer à tourner? Oh je sais pas. Oh peut-être. Oh bah attends, on va attendre un peu alors. De toute façon, t'es pas pressé? Oh non, j'ai bouffé le vieux déjà, ne t'inquiète pas. Oui, moi aussi, moi j'ai pas bouffé le vieux, mais j'ai bouffé quelqu'un d'autre, il était fort goûtu. Hein. Mais putain, qu'est-ce qu'ils font? Les tricérapunks. Mais la série Le Petit Dinosaure est vachement plus fidèle niveau des dinosaures que ce film. Pas balance un os. Mon pote de ski.
Lucas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bon bah non. Bon bah au revoir Sheldon. Ah mais si, il y en a trois. Mais du coup, il y en a bien trois. Du coup, il y a... Attendez, mais oui. Du coup, il y en a bien trois. Il y a un T-Rex. Il y a le T-Rex. Et il y a les deux débiles. Il y a les deux punk raptors. Les punk nosaurus. Donc ils sont bien trois. Non mais le bonnet, on s'en fout le bonnet. Ce film, il a aucun sens. Mais je sais pas, balance des coussins, un truc comme ça. Ouais, ou balance ça, c'est peut-être un chien, il va peut-être le ramener. Il va vraiment le faire. Tu veux l'os ? Viens le chercher ! Tu aimes les os ? Les os sont bons ! Tu veux l'os ? Tu veux aller chercher ? Va le chercher ! Va chez Dieu ! Mais c'est pas un chien ! Allez ! Je lui ai demandé d'y aller. Et il l'a fait. Il est trop bête. Je ne sais pas quoi dire. Regarde. Le revoilà encore. Pourquoi ils sont tous ravagés dans ce film? Pourquoi ils sont tous cons? Enfin, c'est une vraie question. Ah d'accord, donc là on a les raptors, le T-Rex et les spinosaures. On dirait que les ennuis nous ont suivis jusqu'ici. C'est le bleu. C'est le bleu le plus dangereux. Je mise mon argent sur le grand. Non, non, oublie le grand. C'est le petit qui peut nous attaquer. Le bleu. Comment tu veux que j'oublie le grand? Il vient de renverser le bus. Lucas, pour une fois dans ta vie, la taille ne compte pas, mec. De quoi tu parles? La bête. La bête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au crâne. La série comique, tiens. Quelle série comique? Ah! Ah oui, non, pas cette série! Non! Non, pas cette série! Pas cette série, les Winovas! Tu te rappelles du match en cinquième? Pas cette série! La course de 20 mètres? Ouais? Non! Non! Je sais pas, mec. On courait vers le fourgon et quand j'ai regardé derrière moi, il n'était plus là. Comment c'est possible que 180 kilos disparaissent comme ça? Je sais pas, il n'était pas là. Je pense qu'il est allé devant la maison du docteur et... Les flamands. Oh, pas les flamands. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il a préféré cette chose bleue aux flamants roses. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'était juste des parties du corps qui s'envolaient partout. Et juste quand... Oh non! Probablement un mégalosaure. Un large, très avancé, un carnivore. De la famille des carnosaures. On aurait peut-être dû regarder Carnosaure finalement. La gothique me fait penser que Carnosaure était peut-être un meilleur film. Peut-être. Ils ne sont pas sûrs de la couleur. Bonne nuit, Aizou. Et jusqu'à maintenant. Oh, ils vivaient il y a 70 millions d'années, au milieu de la période jurassique. Ah mais on s'en fout de Wikipédia là. Peut-être un adolescent
parce qu'on peut t'atteindre jusqu'à 10 mètres. On s'en fout. Est-ce qu'ils disent comment les tuer dans ton livre? Non. Mais... Elle est tarée, la gothique est tarée. Hein. Des matriarches. T'as entendu ça? Des matriarches. T'as entendu ça? Mais oui, elle est défoncée à mort. C'est quoi des matriarches? Ça veut dire que ce sont les femmes qui gèrent. Ah. Ah, oh, impossible. Je peux pas croire un truc comme ça. Je vais prendre cette arme. Bon, au moins, il a enfin pris l'arme à feu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, ça rigole plus du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, nous allons prendre un autre screen. Nous allons prendre un autre screen. Voilà. Voilà. Voilà, je... Pitié, il prend l'armure, mais je... Cette armure ne va pas te protéger, Lucas. Sheldon, quand est-ce que tu vas enfin grandir et être un homme? Sérieusement, on va prendre nos skis tous les deux et on va aller descendre les pistes. Et ensuite, on va aller au sommet de la montagne. Pourquoi est-ce qu'on doit aller au sommet de la montagne? Pour des nichons. Le but de tout ça, le but de ce voyage, à ton avis, c'était de faire quoi? D'avoir un téton ici et un téton là. Et je ne vais pas laisser... Hautement philosophique. Non, mais hautement philosophique. Je... Ok. Un petit lézard dehors m'empêchait d'avoir des nichons. Pourquoi? Parce que je suis l'omnichon. Le grand est intéressé par le petit. Je veux dire, la femme. Attendez. On va remettre tout le texte en entier, parce que... Très important. Très important. Cette armure ne va pas te protéger, Lucas. Sheldon, quand est-ce que tu vas enfin grandir et être un homme? Sérieusement, on va prendre nos skis tous les deux et on va aller descendre les pistes. Et ensuite, on va aller au sommet de la montagne. Ok. Pourquoi est-ce qu'on doit aller au sommet de la montagne? Pour des nichons. D'accord. Le but de tout ça, le but de ce voyage, à ton avis, c'était de faire quoi? D'avoir un téton ici et un téton là. Et je ne vais pas laisser un petit lézard dehors m'empêcher d'avoir des nichons. Pourquoi? Parce que je suis l'homme nichon. Alors, sauf que le petit lézard, il fait 6 mètres de haut, il pèse 7 tonnes et demi. Mais, let's go, on te regarde. Philosophie. Le grand est intéressé par le petit, je veux dire la femme. L'espèce de matriarche dinosaure. Alors c'est notre chance, ok? En plus, ils sont éteints, ils sont bêtes. On est des humains, mec, on est intelligents. Lucas. Quoi? Si tu sors de là, tu seras éteint aussi. Qu'est-ce que t'en sais? C'est à cause de toi et nous, ton pas cette petite porte, amie mec. Qu'on est là. Lucas, reviens, mec. Mec, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu vas écouter cette idiote ou bien moi? Choisis ton camp. C'est moi, Lucas, ton ami, ton pote, ton amigo. T'as même pas chargé ton arme. Qu'est-ce que je vais faire avec cette arme, Lucas? Je vais lui enlever ses yeux, voyons. Oh. Mon pote de ski. Oh. Il avait même pas chargé l'arme. Il avait même pas chargé l'arme. C'était quoi ce plan de lune? Attendez, quoi? C'est quoi ce plan de lune? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je suis désolée pour ton... Mais qu'est-ce qu'elle branle? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je pêche. Tu pêches quoi? Bah en fait, il y a deux carnosaures et un T-Rex. Ah.
Je sais pas, mais j'en ai attrapé un gros. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais... Ah! Le tireur vient de mourir. Le tireur qui vient de mourir, il vient de se prendre du 220 volts dans la gueule. Ah bah il fait jour maintenant. Ok. Mais alors, attendez. On nous avait pas montré des agents du FBI au début ? Et Lorenzo Lamas, il est où? Oui, c'est la question que je pose, justement, Winnovas. Lorenzo Lamas, qui joue l'agent du FBI. On nous l'a montré au début. Mais du coup... What are you doing? What are you fucking? What are you brawling? Parce que là, ils étaient en plein milieu du village, hein, de la ville, hein. Il est parti chercher des lamas. Il reste à l'intérieur comme ça fait. Ouais mais enfin. Genre. T'as aucun sens. Ah, le carnosaure arrive. Mais meuf, ce meuf! Ouais, s'il te plaît, fais un effort. Bon, la gothique est conne, mais bon. Bah, après, en théorie, là, vous montez l'échelle, vous êtes en sécurité. On est d'accord? Bah oui, le toit! Elle tabasse le raptor, le carnosaure avec ses bottes. On devrait retourner l'aider. Oh non, je veux pas devenir un goûter pour Jurassic, moi. Elle a pas tort. Active Dogs. Acme. Lotion Acme. Produit Acme. Oh. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais le remets pas sur ta tête. Ah, par pitié, le... Pourquoi vous êtes redescendu du toit? Vous étiez sur le toit. Il pouvait rien vous faire. Pourquoi vous êtes conne? C'est quand même les pires usines d'abattoir. Hein. Pour l'aider lui. Mais oui, mais la gothique veut pas l'aider. Pardon? Pardon?
Ah. Ah, il tente de relancer l'intérêt du spectateur en arrachant la... En arrachant le chemisier. Mais on n'a pas encore de nichon. On sera plus en sécurité ici. Sans déconner. Elle n'arrivera jamais à trouver un moyen pour entrer ici. Sauf en défonçant la porte. Et il est passé où le T-Rex ? Ok. Ouais. Allez, elle était cachée derrière un poteau. Elle s'était cachée derrière un poteau. Ah. Je pense que c'est le moment où la gothique meurt. Est-ce qu'elle va mourir ? Oui. Elle est mourue. Ouais, j'avoue que ça doit faire mal. Sprouch là. Putain, bon, quand est-ce que les agents du FBI arrivent pour tuer la bête ? C'est bon. C'est comme ça que ça finit. Bah non. Vous pouvez sauter. Il ne reste plus que l'heure. Bah, vous pouvez sauter, vous mettre sur le toit. Vous avez compris ? Nous devrions y aller. Le toit ? Ce sera moi. Hé. Hey. J'étais dur avec toi. Est-ce qu'il va y avoir un petit bisou ? Parce que pour le moment, nous n'avons toujours pas vu de nichon aussi. Très important. Et oui, mais il fallait sauter avant. Eh ben, Jason vient de mourir. D'une façon extrêmement stupide. Mais... Surtout qu'ils avaient juste à sauter avant que le... Pendant que le dino défonçait la porte, ils sautaient, ils se barraient. Ils sont cons. Sprouch. Ouais, Sprouch 2. Ah, mais surtout que maintenant, elle a plus son arc en plus, hein. J'aime bien ce que ça fait du bang 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 bang. Du tout, c'est... Vraiment, le seul intérêt de cette scène, c'était que ça fasse bang 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 bang. Ouais, je pense que pour les nichons, c'est mort. Je pense que pour les nichons, c'est mort. C'est dommage. Tout le monde a perdu... va avoir perdu des nichons. Des nichons. Ouais, mais la tasse. C'est vrai qu'il y a eu la tasse. En vrai, c'est vrai qu'il y a eu la tasse. On va peut-être mettre oui alors. Comme ça, au moins, ça rembourse. Hein, ça rembourse. En vrai, il y a eu la tasse nichon. Ça compense. C'est vrai que sur les Lego, ouais. Sur les Lego, là, le Carnosaur, il marcherait, il ferait « Ouille, aïe, aïe, ouille, ouille, aïe !» Il ferait ça en boucle, là.
putain de Lego de merde. Et là, il va y avoir la tête du dino. Mais qu'est-ce qu'elle est... Oh là là. Alors si, elle a un soutien-gorge quand même. Mais oui, c'est ouf d'être si conne, hein. Oh, attendez, est-ce qu'elle va faire exploser le dinosaure? Oui, si, elle a un soutien-gorge. Merci, maman. Comment ça, merci, maman? Elle a... Attends. Comment ça se fait que tu trouves un tomahawk dans une usine désaffectée? Surtout que le tomahawk, il est là, en plus. Bah attendez, elle a pris le tomahawk, mais le tomahawk il est là, il y a un faux raccord. Oh, je viens de voir. Oh, oh. Est-ce que vous le voyez, vous aussi? Oui, les barils. Les barils. C'est un PNJ. Les barils, ils sont... C'est un PNJ. Il n'y a aucun effort qui est fait. Mais s'il vous plaît, quoi! Ça, c'est pour toi, maman. C'est entre toi et moi, monstre! Attendez. Ça, c'est pour toi, maman. C'est entre toi et moi, mon. Baril.png, mais oui. Va au diable. L'intérêt du tomahawk, il y en a pas, et ensuite... Hé, hey, c'était quoi ça? C'était... Oh, les mecs sont dans un motel dans la ville, tu vas me dire qu'ils ont pas entendu des raptors, des carnosaures, un T-Rex, des mecs se faire bouffer, un bus se faire renverser, un poteau électrique tomber, des cris, des hurlements, et les mecs ne se réveillent que lorsqu'il y a une explosion dans une usine qui est paumée au milieu de nulle part. Définitivement, nous aurions dû regarder les vampires lesbiennes. Définitivement, nous aurions dû regarder les vampires lesbiennes. Non, non, impossible. Pas ici. C'était une explosion. Allez, on va aller voir. Ce film est en train de m'achever. Non, mais définitivement, nous aurions dû regarder les vampires lesbiennes. Salut les gars, on a beaucoup de travail. C'est quoi qui a explosé? La vieille usine. Mais c'est rien comparé à ce qu'ils ont trouvé à Fossil Ridge ce matin. Des dépouilles de... Je sais que ça peut paraître bizarre, mais... Ces grosses autruches. C'était pas du tout des autruches. Des dinosaures. Comment ça, les grosses autruches? Mais... Personne n'avait émis l'hypothèse que ce soit des autruches. Grands dinosaures. Où est Morgan? Il est avec Abby, la fille de l'une des victimes. Abby semble être le seul témoin. Ils sont juste là-haut. Il y a beaucoup de journalistes là-bas. Merci.
Mais comment ça, des autruches? Puis à l'origine du massacre de la ville par des dinosaures. Ressemblant à des dinosaures ont été vus dans cette zone. C'est pas Jurassic Park, réveillez-vous les gens. Juste des autruches mutées qui ont attaqué ces pauvres gens. Non, je vous crois pas, ce ne sont pas des autruches. Ce sont juste des autruches mutées. N'ayez pas cherché des empreintes ou quelque chose. Plus non, de questions, on n'a pas besoin de mensonges. Non. On a besoin de réponses. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai raconté mon histoire au FBI, mais ils ne m'ont pas cru. Il semblerait que les responsables du gouvernement ne prennent pas au sérieux les délires d'une fille amérindienne. Ils préfèrent croire que ce sont des oiseaux ou des chupacabras carnivores. De toute manière, ils m'ont relâché et devinez quoi? J'ai suivi le conseil du vieux Dr. Kane. Je n'ai pas abandonné mon rêve et mon futur. Mais j'ai abandonné mon passé. Quoi? Attendez! Quoi? Quoi? Dawa. Attends, mais il y a un raptor qui a survécu. Le raptor, il a complètement vibe sur la musique, hein. Raptor, il est en mode, oh ouais, oh ouais, oh oui. Mais quoi? Mais je comprends rien! Ah, c'est le raptor qui a bouffé le noir! Mais oui! Parce que c'est le seul qui est vivant! Ce film de merde! Oh là là! Ah, ce film! Bon, alors, vous savez quoi? Je vous accorde comme quoi il y a eu des nichons juste parce qu'il y a eu la tasse nichon. Voilà. Donc félicitations aux gens qui ont remporté. Sinon vous perdiez tout, donc voilà. Félicitations. Mais what? Ni Ghost Rider 2 avec le pipi lance-flamme. Alors ça, je n'ai jamais vu Ghost Rider 2. Il y a un pipi lance-flamme. Oh mon dieu! Oh! Mais quelle merde ce film! Putain, je pensais au moins que ça pouvait. En vrai, c'était un peu drôle par moment, mais. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mon cerveau, il est parti, hein! Oh là là! Ah, mon cerveau aussi, il est parti, hein! Oh la fin, je ne comprenais rien! Mon nom de dieu de bordel de merde, enculé de sa race. Waouh, on aurait dû regarder les vampires lesbiennes. On aurait dû regarder les vampires lesbiennes. Ah mais, attendez, le pire c'est que j'ai un truc rigolo avec les vampires lesbiennes. Tout à l'heure, quand je l'ai lancé, je suis tombé sur une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire. Qui m'a fait mourir de rire. Qui m'a fait beaucoup rire. Attendez. Il est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Il s'était chargé où? Ah! Attendez, je l'ai là. Attendez, alors je suis pas sûr. Je vais essayer de. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Ok, je crois que c'est un peu avant. Non. Ah oui, voilà, je crois que c'est là. Les gens, attention à vous. Attendez. Est-ce que. Des vampires? Des
vampire. S'il te plaît, le film. Est-ce que tu peux t'afficher? C'est impossible. Oh, le film! Ok, bon bah le film veut pas s'afficher. Voilà. On va afficher comme ça. Voilà, juste tout à l'heure je suis tombé sur cette scène. Et en vrai ça m'a fait un peu rire. C'est pour ça que je me suis dit que ce film peut être drôle. Des vampires. Des vampires. Des vampires lesbiennes. Ça c'est cool. Voilà. 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 C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce film. Et du coup, c'est ce film qu'on regardera la semaine prochaine. Les vampires lesbiennes. La blonde joue le rôle de la fille du docteur dans Doctor Who, je crois. J'ai pas fait attention. J'ai pas du tout fait attention. Le gros, il est aussi dans Doctor Who. Peut-être. J'ai pas souvenir. Pourtant, je reconnais bien Doctor Who, mais... Attends, fais voir. Si je tape le nom du film... Fais voir. Alors, sachant... Elle a fait Doctor Who ou pas? Ah, effectivement, la fille était dans... Putain, t'as le bon oeil, hein. Dans les Alors j'ai plus d'eau la plonge là, par contre j'ai plus rien à boire malheureusement. Je viens de finir la gorgée. Effectivement la fille elle est dans Docteur. Elle est dans Docteur. Dans. Attends, Doctor. Attends. Non, dans Doctor. Ah non, c'est pas Doctor Who ça, non, pas du tout. Non, pas du tout. Télévision. Alors, le gros, ouais, le mec, il est dans deux épisodes de Doctor Who, mais la fille, elle était pas dans Doctor Who. Voilà. Bah, en tout cas, elle est pas créditée, fais voir. Si je tape Doctor Who. C'est qui elle? Vera... Filatowa, mais après c'est peut-être pas elle qu'on a vue dans le film. Bon, on regardera au moment de la diffusion du film. Mais voilà, bon, écoutez. Malgré tout, j'espère que le film vous a plu. C'était bizarre. C'était bizarre quand même comme film. On a pu faire quand même deux jolis screenshots que moi j'aime bien, la famille Texan et ensuite la gothique et la meuf qui regarde l'autre en mode What the fuck dude? What the fuck dude? Voilà. Alors, le planning de cette semaine les gens. Qu'est-ce que l'on va faire cette semaine? Parce que oui, c'est normal que j'ai des cheveux blancs, j'ai rien compris. Non mais alors, la plonge, on a rien compris nous aussi, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Je vais pas te mentir, on a rien compris nous aussi. Le planning de cette semaine. Mercredi, nous allons jouer à Bully, les gens. Est-ce que vous connaissez Bully? C'est un jeu par Rockstar. Les papas de GTA qui se passent dans un collège en États-Unis. C'est un jeu qui est extrêmement cool. Et si vous connaissez pas, ben venez le découvrir. Vraiment, ça va vous plaire, je pense. Attends, fais voir. Je regarde le lien. Georgia Moffett. Non, c'était... Non. Georgia Moffett, elle apparaît pas dans le... Non, Georgia Moffett n'est pas dans le film des vampires lesbiennes. Elle ressemble, mais c'est pas elle. Ensuite, vendredi, les gens, ce sera le retour de Segata Senshiro, puisque nous allons jouer au jeu vidéo officiel Segata Senshiro. Je n'ai jamais joué avant, je ne sais pas du tout à quoi je m'attends, donc ça va être
trop bien, ça va être cool, je pense. On va pouvoir rire sur Segata Senshiro. Et enfin, dimanche, je serai avec Exia, donc Moura Zombie ici présente, pour faire du Titan Quest. Si vous connaissez pas Titan Quest, c'est Diablo, mais à l'époque, mythologie grecque. Grecque ou romaine, je sais plus, je crois que c'est grec. Pendant la mythologie, mais à la place d'affronter des démons, c'est la mythologie grecque. C'est un très cool, c'est un très très bon jeu, plateau. Non, c'est un hack and slash sur PC. Hack and slash sur PC, Winovas. C'est un jeu qui est très cool, par contre, Titan Quest. Il y a un jeu de plateau, Titan Quest? Peut-être. Titan Quest. Grec, égyptienne, chinoise et avec le DLC nordique. Ah oui, il y a vraiment tout. Hein. Non, je sais pas. Je sais pas si c'était un jeu de plateau à la base. Enfin bref, voilà, ça c'est le planning de cette semaine. J'espère en tout cas que, bon, mine de rien, même si vous avez pas compris grand chose, au moins ça vous a amusé, le film d'aujourd'hui. Raptor Ranch, c'était très bizarre, mais promis, la semaine prochaine, vous avez des vampires lesbiennes. Promis. Ah oui, non, c'est Hero Quest. Oui, non, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, Winwas. Hero Quest et Titan Quest ont strictement rien à voir. Voilà. Désolé, le film était trop dur pour le cerveau. Et on a essayé de faire des blagues. J'ai essayé de vous animer le truc et faire des blagues. Hein. Mon dieu. Voilà. Mallory était meilleur nanar. Putain, Mallory. Oh, Bloody Mallory, j'avoue que c'était drôle. Hein. Mais ouais, je vais essayer de creuser et trouver d'autres nanars. Mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, c'est le principe aussi des films du lundi. De temps en temps, on tombe sur des merdes, on tombe sur des bouses, et c'est dur. Hein. Et c'est dur. Je suis d'accord, mais c'est comme ça. City Hunter. Le film City Hunter, il était dur. Hein. Le film City Hunter, les deux films City Hunter étaient durs. Mais le film Nicky Larson avec Jackie Chan était vraiment excellent. Mais les deux autres films City Hunter, le City Hunter et le... J'ai oublié le nom, c'était Mr. Mumble. Oh, c'était dur. Hein. C'était dur vers la fin. Enfin bref. Des bisous à vous les gens, des bisous partout. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Et surtout n'oubliez pas, un bon film se doit d'avoir des nichons visibles. Sinon, ce n'est pas un bon film. Allez, bisous les gens, ciao.